Transformer Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. À Chasse Fougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Chasse Fougan Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource. Former Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. À Chasse Fougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Chasse Fougan Sud,
c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource. Former chez Asfougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Asfougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en 3 domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Asfougan Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource. Former chez Asco Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Asco Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Asco Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource.
dire, c'est plus haut niveau amateur. En fait que malheureusement, on a une pensée pour eux et notamment pour tous les joueurs de, oui. du club, les bénévoles et les salariés voilà, donc, qui sont impactés. Quoi. Dans ce drame, quand même, une bonne nouvelle, c'est pour le rugby amateur, puisque l'intégralité des compétitions féminines et des jeunes vont pouvoir se poursuivre pour le club. Oui, parce qu'ils sont sous, ils sont sous la bannière de l'association, donc il y a un volet SASP et un volet amateur qui est géré par l'association. Et contrairement à Bourg-en-Bresse actuellement, où c'est un petit peu une problématique d'association à Bourg-en-Bresse, qui là mettrait beaucoup plus le club complet en péril, Blagnac, c'est uniquement la partie professionnelle. Voilà. Exactement. Merci David en tout cas pour Carcassion de prendre le point. Les deux clubs de ce soir, Johan a raison. Ce soir à la maison. Impeccable. Comment nous écouter? Comment écouter? C'est très facile. Hein, vous allez sur la chaîne de YouTube de l'US Carcassonne et bien sûr, vous allez retrouver l'intégralité de ce match. On a oublié de vous dire que la technique, c'est Philippe et Alexis qui sont aux caméras, au micro, au PC, enfin voilà, qui s'occupent de la technique. On les remercie beaucoup. On remercie bien sûr les hérétiques. Grâce à eux, il y a des moyens techniques. Les moyens techniques sont là, on va dire. Pour continuer vite fait, c'est parler un petit peu de Vivre Rugby ce soir, c'est important puisque avec Christian Guittard, Joël Randé, on va voir après comment on va s'organiser, si les moyens techniques sont là vraiment pour pouvoir tourner un petit peu pour que vous ayez de nouveaux commentateurs aussi. Parce que David, c'est vraiment cahier, hein, c'est ça Chambéry. Raconte-nous un peu cette péripétie. Non, mais c'est simplement que pour une année entière, il n'y avait pas eu de vent à Chambéry. Et que malheureusement, on est tombé sur le seul moment où il y avait du vent à Chambéry qui était tourné vers nous, donc qui s'engouffrait dans le stade. Et vraiment, on était avec Philippe tous les deux. Il faisait vraiment très froid, mais je ne vais pas le raconter à chaque fois, puisque voilà, ça fait sourire à tout le monde. Oui, et quand même, par rapport à ce match où il y a eu égalité, hein, match nul. Oui, c'était très très mal embarqué. Ouais, Carca a refait son retard sur la deuxième mi-temps et à la fin mérite même de gagner, mais il y a une décision qui est validée donc par l'arbitre qui siffle la fin du match, donc voilà, on va rien dire sur l'arbitre. Johan, un petit peu le dernier match de Carcassonne à Massy quand même. Carcassonne à la 80e mène 20-15, il perd sur le fil. Est-ce que tu peux nous tracer un petit peu? Ça laisse beaucoup de regrets forcément parce qu'on aurait pu, on aurait dû s'imposer. C'est comme à Chambéry, la dernière action dont on a parlé David, forcément ça laisse des regrets. Après, il faudra rattraper ces points-là ce soir contre Nice. Exactement, alors tu nous disais que l'équipe de Nice était quand même en forme et que ça jouait très très bien. Tu pourras nous faire la composition, tu auras le droit de faire n'importe quel commentaire. Allez, les sponsors historiques, bien sûr, par rapport à l'USC, mais aussi par rapport à Vibre et Rugby, c'est les légendaires Bureau Service, CTH, avec les deux Sébastien, bien sûr, Peugeot, Radius Trèbes, la carrosserie Suroc, Bernard, et bien sûr, Jean-Christophe Delpy, avec Vibre et Rugby. Le bonjour aux copains, ça c'est Johan qui va s'en charger, il va vous expliquer aussi pourquoi. Évidemment, donc on passe le bonjour à Patrick Fassina, Christian Mosna, Renaud Sorel et Jérôme Boson qui vont mettre de stage en ce moment à côté de Cher CF et qui sont tous, si je ne m'abuse, des membres de Côté Ouvert, donc de l'émission Rugby. Exactement. Qui passe toutes les deux semaines, c'est une émission bimensuelle. L'émission de RCF, que tu connais bien en ce moment. Et oui, parce que je suis en stage jusqu'à fin février à la radio. Et évidemment, on passe le bonjour aussi au photographe, à l'autre photographe, Serge Gonzalez. Serge Gonzalez qui devrait être sur le terrain, qui devrait se mouiller puisqu'on va parler peut-être un petit peu de météo tout à l'heure. Et effectivement, alors que l'équipe de Nice est en train de regagner tranquillement les vestiaires, on va passer directement à la météo. David, c'est beau ce soir. Ouais, alors c'est un temps, on va dire un temps médiéval. Automnal, puisqu'il pleut ici à Carcassonne. Temps tout à fait niçois. Je pense que ça arrangera un peu plus les affaires de Carcassonne que de Nice. Mais voilà, le vent est, on va dire, vient de droite à gauche dans le sens du terrain par rapport à la future vidéo. Et donc, y a quand même, c'est une petite bruine qui va, je pense, un petit crachet, mais qui a été quand même permanente sur toute la journée. Donc le terrain doit être quand même un peu trempé, même si je vois que la pelouse est quand même... Elle est belle ce soir, donc forcément il n'y a pas eu de match la semaine dernière, donc voilà. Mais le temps, oui, malheur à celui qui va prendre contre le vent, parce qu'il y a un peu de vent quand même. Un tout petit peu de vent. Donc la pluie plus le vent, il vaut mieux. Allez, tu concurrences bien, Louis Baudelin, c'est très bien de côté de la météo.
On va parler un petit peu des. On a 7 minutes pour parler un petit peu des enjeux de cette rencontre ce soir. Johan, l'équipe de Nice, ce soir, à mon avis, a coché cette partie. Bah, les enjeux sont simples parce que Nice reste sur 5 victoires d'affilée à domicile, sur 5 victoires tout court d'ailleurs. Et bah là, ils vont essayer de conforter leur leader de national. Ils ont suffisamment d'avance. Après, c'est en cherchant des points chez les concurrents qui pourront garder cette avance et qui maintiendront leur trône de premier. Allez, impeccable. Ça, c'est pour Nice. Pour Carcassonne, David, ouais. C'est le tour passe la paix. Hein. Ouais, Carca, ils sont dans l'obligation de conforter cette place donc de troisième au classement pour vraiment rester dans le bon wagon, je dirais, puisque. Si Nice gagne à Carcassonne, hein, bon, ça va quand même les condamner à quelques exploits après, hein, notamment en allant à Albi dans pas longtemps. Est-ce que tu dirais quand même que pour exister ce soir, il va falloir faire peur à ces équipes d'eau, au tableau, et à un moment donné, et bien, ça passe par gagner ces matchs comme ça? Alors oui, effectivement, ils sont à un moment donné, s'ils veulent figurer dans les 6 prétendants, on va dire, et notamment dans les demi-finalistes, mais il va falloir quand même gagner ces équipes-là quoi, à la maison, puisque on a gagné à Bourgoin, on fait match nul à Chambéry, on valide pas ce match nul de Chambéry contre Massy, et aujourd'hui il faut vraiment impérativement s'imposer, je pense. Ça, c'est aussi coché du côté de Carca que de Nice, puisque ben, Nice, eux, s'ils gagnent aujourd'hui, ils ont quand même la voie royale, puisqu'ils auraient quand même des points d'avance, puisque je le redis encore, oui. Albi n'a pas gagné à Narbonne. Exactement. Voilà, je crois qu'on a été plutôt pas mal sur les enjeux. On va continuer avec la composition d'équipe. Et Johan, bien sûr, Johan étudiant à Nice, va s'occuper de l'équipe de Nice. On t'écoute, Johan. Et quoi de mieux pour commencer que de parler de Jules Martinez, du coup, notre ancien pilier gauche. Talonneur Stripoli, pilier droit Ciancio. Seconde ligne, capitaine Burdé et Fretes. La troisième ligne, Sio, Bolena, Venou et Vignol. La charnière, elle est très jeune. Jules Solinas et Romain Riguet. 20 ans pour Jules Solinas et 22 ans pour Romain Riguet. Aux ailes, Delas et Charla, donc deux hommes bien connus de la Pro D2. La paire de centre, on a Lafont et Kutayar. Et à l'arrière, Odieté. Et pour les remplaçants, on a Anga, Aliangli, Vola, Ré, Vincent, Berenguel, Penchoat, Conduché et Poufouma. Merci Johan, on va passer à l'US Carcassonne. Tous les joueurs sont quasiment rentrés, il ne reste que les joueurs en groupe. Les remplaçants, je cherche bien sûr. Les joueurs en groupe. Ouais, qui continuent leur échauffement, mais les groupes sont rentrés dans les vestiaires. Donc l'attention commence à monter. On est parti sur la composition de l'USC. Donc première ligne, Ursaque, Carbou, Lorenzo. Seconde ligne, capitaine Romain Mankia avec associé à Clément Fontaine. Troisième ligne, donc en flanqueur Bousquet, Ergen, numéro 8, Guyot, numéro 9, Pichon, numéro 10, donc Enarto, donc jeune joueur de Carcassonne. Première titularisation à Domecq, effectivement. On a une pensée pour ses parents. Alors, je pense que tu peux en parler, Luc. On va vite fait sur la famille d'Enaimo, Arto, puisqu'en fait, on a reçu un message. Les hérétiques ont reçu un message du papa d'Enaimo. Et donc, je vais vous le lire. Voilà, parce que comme ça nous donne une pensée. Puisqu'on est suivi depuis Pointe-Noire au Congo. Oui. Voilà, Brazzaville. Alors, Luigi est professionnel en basket fauteuil, c'est un des enfants, on va parler de ses enfants, et en basket fauteuil équipe de France et en contrat en Espagne. Amona, le jumeau du nôtre, animaux, est à l'ASM en espoir. Dizila, la toute dernière, est en sport étude sous contrat en basket avec les flammes Caracarolo de Charleville-Mézières. On remercie bien sûr, ça je parle au nom du papa et de la famille, bien sûr, et de la maman aussi, de toutes les équipes qui encadrent Enamo à Carcassonne depuis l'association et les pros maintenant. Le stress commence à monter, nous dit-il, tout doucement pour le match de ce soir. Pour sa part, le papa entraîne l'école de rugby et l'entraîneur de l'équipe 1 à Pointe-Noire. C'est que du bonheur pour nous aussi de lire ce genre de message. Tout à fait, donc un message particulier à sa famille. Donc Ozel, on retrouvera Daré Latour et Burete Kiasia. Numéro 12, Puletua, et 13 à Guillaume. On a mis du lourd côté Carcassonne au centre. Et à l'arrière, c'est Maxime Gianet ce soir. Au niveau des remplaçants, Petra Julie, Lorenzo, Florent, CC, Adentorf, donc le nouveau joueur qui a signé cette semaine à Carcassonne. Sudaf, très solide.
avec des bons brandillons. C'est un petit peu le frère de Karl Franz. Et donc on attend beaucoup de ce joueur qui va apporter un petit peu son expérience puisqu'il arrive de Nevers. Oui. Ensuite, numéro 20, Dreno, 21, Vaya Veria, 22, Agnon et 23, Akobadze. Donc le choix de Carcassonne, c'est de mettre donc, des avants sur le banc de touche et seulement 2-3 quarts en tant que remplaçant. Comme Nice, 6-2. Il nous reste, pour être tout à fait complet, l'arbitre de la rencontre, Johan. Monsieur Benoît Caballero. Voilà, et bien je crois qu'on est tout à fait complet. Les remerciements bien sûr pour l'ensemble des sponsors et la communication de l'USC, ainsi qu'à vous tous nos auditeurs, puisque auditeurs et bien sûr téléspectateurs, puisque le match est intégralement retransmis. Juste pour vous dire que le prochain match, Carcassonne reçoit vendredi prochain Bourg-en-Bresse. Et Bourgoin. Et se déplacera en terrière albigeoise le 1er mars. Voilà, on vous rappellera de toute façon l'intégralité de ces rencontres. Les joueurs ne vont pas tarder à rentrer sur la pelouse. Il reste a priori 2 petites minutes. Alors que vous voyez effectivement les joueurs remplaçants en train de finir l'échauffement. Voilà. Et nous, on va prendre position et place pour faire au mieux dans les commentaires de ce match. Allez, l'USC, à tout de suite. Allez, mesdames et messieurs, pour vous annoncer le coup d'envoi technique de la rencontre sera donné par notre parrain du match, M. Le Maire. Vous pouvez aller directement vers sa tête. Vous pouvez le faire. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ok. Le problème, c'est que je pense qu'on va nous entendre pour ça. Vous avez un supérieur. Ouais. Dans l'ensemble, ouais. Après, il y a des gens qui disent le monsieur à gauche, il bouge trop, on n'entend pas bien. Mais après, regarde les commentaires. Merci pour la vidéo, bon match. Allez, vous allez vous chercher sa terre. On a mis l'ambiance. Alors qu'avec les autres, il faut faire des passes. Merci. Le national. T'entends bien, David. Ce soir, ouais. L'USC passe au leader au stade du soir. Victoire impérative pour rester dans ce classement tour de tête. Mesdames, messieurs, applaudissements pour l'entrée des joueurs. Mesdames, c'est l'entrée des joueurs. La pelouse de Domecq, le retour des cartes de son histoire pour le moment. Et Nice qui évoluera en blanc ce soir. Et donc Carca avec le maillot traditionnel jaune et noir. Allez, c'est les cartes jaunes qui rentrent. Alors qu'il va y avoir un coup d'envoi fictif là, donné par... Coup d'envoi fictif. Voilà, on est en train de l'annoncer effectivement. Notre parrain du match, par monsieur Bernard Bruel, directeur d'Exanet, partenaire de l'USC. Monsieur Wesker, vous voulez, on peut l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. On n'a pas parlé trop de l'affluence, David, mais allez, on va dire pour une saison automnale, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il pleut ce soir. Je ne connaissais pas le nom, ah. Ça ne me disait rien. Oui. Il y a un peu de monde effectivement dans les deux tribunes. Ça s'est rempli petit à petit. On avait peur qu'avec le temps qu'il fait toute la journée, qu'il a fait toute cette journée, qu'il y ait un peu moins de monde. Ça reste correct. Allez, coup d'envoi donné par Renato. Et c'est parti ici à Domecq. Allez, ça y est, directement dans les 22 ouais. mètres. Il est sorti de ces 22 mètres effectivement le lundi soir. C'est Bolé Naïvalou qui a capté le ballon sur le renvoi.
Alors Carcassonne évolue face au vent. C'est de bon augure pour la deuxième mi-temps si j'arrête bien la première mi-temps. Allez, il ne trouvera pas la touche, le demi de Vélez Solinas, directement sur Romain Guyot, me semble-t-il. Là. Allez, à la manœuvre, les Carcassonnais avec Carbou, me semble-t-il. Voilà, sur la ligne médiane, on va, Gaëtan Pichon va, demander, va revenir un petit peu petit côté. Effectivement, on va faire jouer les gros pour le moment. C'est Ursaquet qui va à la percussion. Ouais. Ursaquet qui va à la percussion. Ça y est, on est rentré dans le camp de Nice. Et enfin. Pichon qui va prendre le jeu au pied. Hein. Oui, parce que ça n'avance pas beaucoup et on va mettre une pression. Oh, c'est en avant. Heureusement, heureusement que le contre niçois. Mais ça peut jouer du côté carcassonné. Est-ce qu'on va jouer c'est bien joué ça. Non, ouais, on va revenir, heureusement. Ouais, Gaëtan Pichon qui avait dévissé un peu sur ce coup de pied-là, effectivement. Et donc, première alerte pour les Carcassonnais, David. Oui, après, il a pas, je pense qu'il manque un joueur pour qu'il puisse jouer plus sereinement au pied, pour se sortir au pied. Donc, il manque quelqu'un pour venir assurer la longueur du pied donc en sortie de ruck. Et ce qui le met en difficulté, c'est que forcément, il y avait un joueur sur le côté tout à fait dans les règles, et donc qui a pu monter rapidement et contrer Gaëtan Pichon. Effectivement. Allez, ce sera donc la toute première mêlée du match, avec l'introduction bien sûr pour Gaëtan Pichon. Et on va voir un petit peu les commandements, qu'est-ce que ça raconte, avec notamment cette pelouse grasse et humide, David, qui, puisqu'il a plu toute la journée, qui va peut-être, j'espère qu'on a mis les crampons fer et numéro 11, j'espère. Oui, on va, les deux paquets d'avant vont se tester là, sur cette première mêlée. Ah, les commandements de l'arbitre. D'ailleurs, en parlant de paquet d'avant, il manque de gros porteurs de balles. Oui. Du côté de Nice, il manque Adrien Vigne par exemple, il manque Yann Tivoli, il manque Smiler qui est un gros porteur de balles numéro 8, qui a fait grandement du mal à l'USC sur le match aller. Oui. Et qui n'est pas sur la feuille. Qui n'est pas du tout sur la feuille. On sait s'il est joueur blessé peut-être. Je pense qu'il est blessé, oui. J'ai regardé, il n'a pas joué depuis la 13e journée, donc je pense qu'il est blessé. Oui. Du côté carcassonné, on ne l'a pas dit, mais effectivement, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas sur la feuille, comme Toa ou Gabin Miché, par exemple, qui est touché aux adducteurs. Bilal Faldi, qui est touché au genou. Moreno, adducteur aussi. Et Naperi Perazze, au niveau du tendon d'Achille. Allez, on va revenir au jeu. Il va y avoir une pénalité. Bras cassé pour Carcassonne. Oui, il considère que les joueurs de Nice ne sont pas donc à 10 mètres lorsque c'est Gaëtan Pichon qui a joué rapidement le bras cassé, donc suite à la faute en mêlée. Et même si on n'est pas à 10 mètres sur un bras cassé, ça reste un bras cassé. Un peu long, bien capté par les Niçois, mais qui reculent dans leurs 22 mètres sous la pression des Carcassonnais. On essaie de faire ce contre-ruck, mais finalement, non, ça ne sert pas à grand-chose. Les Niçois vont préserver le ballon dans leurs 22 mètres afin de pouvoir certainement se débarrasser un petit peu de la balle, on va dire, avec le vent et par le pied de Solinas. Oui, c'est chose faite. Et une jolie touche trouvée à hauteur des 40 mètres, me semble-t-il. Ouais. Bon, pour l'instant, il y a de la pression carcassonnaise, mais Nice résiste bien, Johan. C'est stérile pour l'instant, on se teste un peu, je pense. Oui. Allez, ce sera un lancer pour Raphaël Carbou, pour les Carcassonnais. Première touche aussi. Oui, on va voir comment ils vont s'organiser. Ouais. C'est une touche complète ce soir d'entrée. Oui, c'est ça. Ils sont 8 en touche. Ouais. Et un relayeur, c'est un avant, il me semble. Je pense qu'il y aurait 2 minutes que de commencer un match pour un bon ballon porté pour se tester et se mettre en confiance, je pense, devant. Ouais, alors c'est bien récupéré par Erjan, me semble-t-il, de loin là. Et la cocotte, effectivement, avec au fond. Regardez, on voit bien la puissance niçoise, mais ça y est, ça a tourné en tout cas. Et les Carcassonnais peuvent avancer de quelques mètres. Attention de ne pas se mettre. Ça, ils ne sont pas la faute, c'est bien défendu. Ouais, ça y est, c'est bien défendu. Ouais, sorti là-bas. C'est dans l'avancée pour les Carcassonnais à l'orée des 22 mètres. Ça passe par le sol, Gaëtan Pichon. Gros tampon. Alors, c'est soit Raphaël Carbou. Il y a un mini-jeu numéro 7. Oui, un petit peu. Ça monte fort côté niçois. Ouais. Allez, c'est parti avec Daré Latour qui repère. Oh, il a recommis un en avant, heureusement. Ouh là 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 là. Alors, le ballon est certainement glissant, hein, on le sait. Il brûle un petit peu moins, mais quand même, il y a cette humidité qui règne et qui fait que le ballon doit être très probablement très glissant. Alors, par contre, j'ai l'impression que l'arbitre a
est revenu sur cette décision, il a donné une mêlée à Nice, me semble-t-il. Oui, il a signalé d'ailleurs pour rendre avant Carcassonne. Il considère que le premier avant est Carcassonne, effectivement. Oui, il considère que c'est le Carcassonne qui fait effectivement le premier avant. Darry Latour, me semble-t-il. Oui, 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 c'est l'ailier Darry Latour, oui. Il est de son prénom. Allez, cette mêlée à hauteur des 30 mètres dans le camp de Nice. Effectivement, tu as dit le mot, Johan. Pour l'instant, c'est une stérilité, en tout cas, offensive du côté carcassonnais. On se met en place. On rappelle quand même que, du fait du forfait de Blagnac, Carcassonne n'a pas joué le week-end dernier. Et donc, il y a peut-être aussi un manque de compétition. Et on fait tourner la mêlée. Est-ce qu'il y a de la puissance? On craint la puissance de Nice, peut-être, Johan? Oui, en mêlée, c'est très fort. Ils ont un pack très très solide. Autant en touche que sur les mêlées, donc il va falloir être vigilant du côté carcassonnais pour ne pas prendre la marée comme au match. Ouais, c'est Fabien Lorenzo qui est pénalisé, c'est le côté droit de la mêlée carcassonnaise qui s'est effacé. Qui a complètement tourné. Ouais, parce que j'allais te dire, David, quand même, on a du lourd quand même devant, on a quand même pas mal d'anciens pro des deux, ça devrait tenir le choc quand même. Oui, mais après, la mêlée n'est pas une science exacte, donc... On va dire que c'est du, encore une fois, 50-50, les mêlées. Allez, deuxième touche, cette fois-ci pour Nice. Stripoli. Avec, au lancer Stripoli. À hauteur des 40 mètres, dans le camp carcassonnais, un lancer court. Et ça peut ouvrir du côté de Nice. C'est Régué qui a attaqué la ligne. Solignas, l'homme disponible. Il va jouer, il va revenir côté... Martinez pour la remise en jeu. Il y a un décalage. La fond de l'As. Ah, il y a un avant de passe, je pense, pour Sio. Bien plaqué. Le ballon reste niçois. Meurdé pour Stripoli. Stripoli qui arrive à la limite des 22 mètres de Carcassonne. On essaye le contre-rug. Il va se contester. Son Ignace dans le sens. Ballon à genoux qui est remis pour Riguet. Riguet qui attaque la ligne encore une fois. Il est bien pris. Attention à cette première incursion niçoise. Oui, de là, ce qui attaque la ligne aussi, mais il est bien pris. Il y a un bon contest côté carcassonnais, non? Il n'en pas récompensé. Solinas qui va jouer dans le sens avec ses avants. Martinez à la percussion qui rentre, non, toujours pas dans les 22 mètres. Il est tombé sur Guyot, effectivement, qui a bien défendu. Allez. Solinas qui joue avec Ciancio. Ciancio qui est bien pris. Solinas. Ah voilà, il y a une pénalité pour Carcassonne, il y a un bon contest. Ouais, ça, c'est Petriashvili, non? Deux joueurs qui s'énervent un petit peu. Petit échauffouré, oui. Il y a un coup d'André Charla qui est parti au visage d'Etienne Bergeron. Il n'y a pas plus. Le 14 qui a donné un coup de poing au visage. Ouais. Oh, on l'a vu sur Etienne Bergeron. Oui, mais je rappelle qu'il n'y a pas la vidéo du côté de la nationale. Est-ce que ça va être signalé par monsieur l'arbitre? Je pense que c'est un coup de poing, David. On a vu la main partir. C'était une gifle, non? Ouais. Je sais pas. En tout cas, il y a une main au visage, ça c'est sûr. On va voir, c'est une arbitre de touche. Le souci, c'est de savoir si effectivement la faute a été vue par l'arbitre de touche, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, les garçons. Ah, il appelle numéro 14 en tout cas, donc. Oui, mais parce qu'il fait partie de l'échauffouré. Ah oui, ça c'est. Voilà, il fait partie de l'échauffouré, les deux, mais j'ai l'impression que le mauvais geste n'a pas été vu, voilà, tout simplement. Il y aura pénalité pour Carcassonne. Ouais, pénalité pour Carcassonne. Pour avoir tenu le ballon au sol, effectivement. Après, effectivement, c'était bien en visage, peut-être que ça ne mérite pas plus que pénalité. Ouais. Mais c'était autre chose que la simple pompe de la main, peut-être que ça méritait plus. Ouais, Gaëtan Pichon, alors contre le vent, certes. Petite touche, hein, quand même. On a peut-être assuré du côté Carcassonne, puisqu'on est à hauteur des 40 mètres. Contre le vent, hein, tu disais, David, tout à l'heure. Ouais, il y a quand même un peu de vent, mais quand on regarde le drapeau de touche de madame la juge de touche. Exactement. Allez, Raphaël Carbou pour se lancer à hauteur des 40 mètres pour Carcassonne. Ça combine plutôt pas mal, c'est avec pas mal les deux. C'est bien fait. Avec Raphaël Carbou, la course de Raphaël Carbou. Ça peut échapper. Ouais. Oh là, il y a un gros plongeon. Par contre, là, ça aurait pu être pénalité contre Carcassonne. Ça aurait dû même être pénalité contre Carcassonne. C'était un peu la piscine. Ah, Pouletois qui va revenir. Pouletois qui va revenir dans le sens. Il a raison, c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait. Mais... Ouais, on a raté les transmissions côté carcassonné. Hein. C'est pas un cadeau qu'on lui a envoyé à Inaïmo Arto là sur. Alors que l'arbitre va revenir à. Je pense qu'il y a peut-être un hors-jeu, non, sur le rug. Peut-être un hors-jeu, je pense, de départ, oui. C'est ce que dit monsieur l'arbitre.
Et la possibilité il est très très gentil parce qu'il y avait un bon plongeon complètement non maîtrisé. Ouais, mais je sais pas s'il considérera pas que le joueur s'efface en fait de, ouais, de Nice, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Aussi, mais c'est difficile quand même. C'est pour ça que le soutien ne doit pas être sur ses appuis. Moi je suis un peu d'accord avec Johan sur ce coup-là. Dans le sens. Voilà, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on va choisir du côté Carcassonne? On va prendre les points, effectivement. Alors on est à la 9e minute. On rappelle bien sûr que c'est le chronomètre d'Albert Domecq et non celui de monsieur l'arbitre dont on rappelle le nom, monsieur Johan. Caballero. Monsieur Caballero, effectivement. Et on sait que pour Carcassonne, ils sont capricieux. Hein. On a vu à Massy 8 minutes. Oui. Et effectivement, vu les pénalités qu'il y a eu, le temps on pouvait continuer. On ne peut pas s'arrêter sur une pénalité. Oui, et puis le chrono, c'est non histoire en nationale. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Après, le point positif, c'est que Nice était un petit peu venu dans le camp de Carcassonne avec incision et n'a pas marqué de pointe, donc c'est une très bonne chose. On va voir si Gaëtan Pichon arrive à débloquer le score pour Carcassonne. Allez, Gaëtan Pichon qui s'apprête à buter. Il est sur, on va dire, les 30 mètres. Hein. Donc, ah, c'est très bien buté. 3-0. 3 points donc pour l'US Carcassonne qui prend le score ici, Albert Domecq. 11e minute de jeu. Toujours pareil au chronomètre d'Albert Domecq et l'homme de monsieur l'arbitre. L'US c'est 3, Stade Niçois 0. Le score, US Carcassonne. Romain Riquet qui va prendre ce coup de renvoi, il attend le ballon. Ça, il va avoir lieu, il le mouille bien, ça c'est bon enfant aussi. Technique ancestrale. Et la coup de pied de renvoi directement dans les bras de Léo Daré-Latour qui attaque la ligne, il est pris un peu haut, l'arbitre ne dit rien, il y a Gaëtan Pichon qui appelle ses avants. On va repasser par une cellule avec Clément Fontaine. L'ancien Niçois d'ailleurs. Et là c'est Pichon qui apprend de jouer au pied. Carbo qui est venu en protection. Voilà, là, il s'est donné un joueur de plus pour pouvoir dégager plus sereinement. Parce qu'il en faudrait un de plus. Et là, si le ballon sort pas en touche, il y a déjà le numéro 8 niçois qui se voit déjà aller attaquer la ligne. Là. Attends, la petite passe. Voilà, c'est ça la petite passe et ça va attaquer la ligne. Percussion, mais il est bien pris. Voilà, bonne montée des joueurs de Carcassonne. Il y a du monde en tout cas sur l'extérieur. Meurdé. Meurdé qui attaque la ligne, il est bien pris lui aussi. Le soutien est bon. Souvenez-vous qui va revenir côté fermé. En remise, Rigui qui lance Stripoli qui a cassé plusieurs plaquages, un avantage encore côté niçois. L'arbitre qui revient à la pénalité, sûrement un enjeu de ligne pareil. On trouve les espaces, j'ai l'impression, hein, du côté de Nice, on prend les intervalles. Trop facilement. Et je trouve qu'on est mis à mal du côté carcassonnais parce qu'effectivement, les intervalles sont trouvés trop rapidement. Ce sera donc une pénalité pour Nice, quasiment sur la ligne médiane, et la possibilité en tout cas pour Rigui de trouver une excellente touche, dans les 22 mètres, à hauteur des 20 mètres même, on va dire. C'est plutôt intéressant pour Nice. Et on va voir, tu parlais des molles portées tout à l'heure, niçois dévastateur. Eh bien, on va voir ce qu'il en est avec suite à ce lancer déjà, par Stripoli. Alignement complet, côté niçois aussi. Avec, c'est le troisième ligne qui est en relayeur, je pense. On va chercher un fond de touche, Johan. C'est Louis Suo qui a été pris dans les airs et le ballon porté. Ils sont bien structurés. Très bien construit. C'est pour l'instant très dur à défendre pour Carcassonne. Soulinas qui va sûrement partir côté fermé. Il y a du monde à droite. Ça se replace, heureusement. Le ballon porté est un peu ralenti, mais il continue toujours d'enviser, mine de rien. On résiste bien, mais attention, il faut passer par le sol. Ça, il passe par le sol. On a pris 15 mètres sur le ballon porté. Ah, oui, facile. Stripoli, la percussion. Stripoli. Pareil, il y a du monde côté gauche. Meurdé bien pris lui aussi. On continue dans le sens avec Vignol. Sonias qui appelle ses avants qui vont faire les Pirengo. On est à 5 mètres, on a 5 mètres de la ligne des Audois. Et ça va être compliqué, une belle défense va falloir, mais attention, ça tape fort du côté de Nice. Hein. On fait jouer les gros là, et Johan, je crois que la stratégie elle est pas là pour l'instant. On déplace un petit peu devant les poteaux. Effectivement. Là, ça a peut-être écarté, non. Non, la fin il y a peut-être tout seul. Il a failli y aller tout seul. Il a mis un peu de temps sur le ballon. Solinas, tout seul, je ne sais pas si monsieur l'arbitre n'a pas levé le bras.
pour une pénalité. Mais malheureusement, je sens qu'il va le lever pour accorder un essai là surtout. Ouais, ça y est, maintenant David. Ouais. Maintenant David, en tout cas, c'est sûr. La possibilité. Qui se tient prêt, ouais. Non. Allez, faut pas prendre de points, messieurs. Faut pas prendre de points là. Voilà. Et il va même mettre une biscotte, j'ai l'impression. Regardez bien pour Carcassonne. Ouais. Alors, c'est pour Carbou. Directement. Je pense qu'il a fait une faute cynique, les garçons. Hein, faute cynique dans les 5 mètres, c'est normal. Je pense qu'il était déjà à la faute sur le ballon porté. Il y a eu une autre faute sur les quelques temps de jeu. Et je pense qu'il est resté dans la zone. Il ne s'est pas sorti assez vite. Et... Ouais. Et Nice qui choisit de prendre la mêlée. Logique, puisque c'est le temps qui sort. Il va falloir que Carcassonne fasse rentrer en première ligne. Oui. Donc c'est Petra Juli qui va sûrement rentrer pour remplacer Raphaël Carbou. J'ai pas l'impression que... Ah si, ça y est. Si, ça arrive. Carcassonne déjà dans le dur, au bout de la première offensive, vraie offensive niçoise. Oui. Voilà, on prend déjà une pénalité, un carton jaune. Au bout de 15 minutes, effectivement, on voit toute la puissance de cette équipe niçoise, et notamment avec ce 8 de devant qui fait des siennes. Et ma foi, voilà, c'est le changement s'effectue. Et c'est... Maxime Jeannet qui va sortir. Normal, c'est Maxime Jeannet qui va sortir. Puisque Carcassonne va évoluer à 14, bien sûr, pendant les 10 prochaines minutes. C'est Petra Juli qui fait son entrée. J'ai l'impression que c'est... Non, c'est Lorenzo, non ? Et ouais, C'est Lorenzo. Oui. C'est Lorenzo, c'est bien ce qui me semblait. Et alors, je ne sais pas qui va passer au talon, hein, déjà. C'est Dédé ou c'est... Je pense que peut-être Dédé va passer au talon. De toute façon, Dédé peut jouer partout, je crois. Oui, c'est André Ursaquet qui passe au talonnage. Donc, il a le raison de chaque côté. Comment ? Surprenant, non, de ne pas avoir fait rentrer un vrai tanneur pour le coup de métier. Ouais, je sais pas. Ouais. L'avenir va nous le dire très rapidement, puisque cette mêlée à 5 avec introduction Solinas est des plus dangereuses, en tout cas, pour Carcassonne qui mène 3-0 depuis à peu près la 10e minute, mais qui se fait largement rattraper, puisqu'il y a eu une pénalité en cours pour Nice. Et cette mêlée. Et le ballon, elle est plutôt stable. Ouais, bonne mêlée de Carcassonne, bonne mêlée de Carcassonne. C'est dommage. C'est le contrôle du ballon. On a perdu. Grosse faute. Je suis complètement d'accord avec l'arbitrage. Je suis complètement d'accord avec l'arbitrage. Il y a une grosse faute. Il y a un joueur. C'est pas possible. Qui a sauté sur le joueur au sol. Sur le joueur au sol, c'est tout à fait normal. C'est une faute très bête. C'est ça, exactement, David. Largement évitable, surtout. Il n'y a pas besoin de ça. Carcassonne se met un petit peu tout seul dans le dur là, je trouve. Surtout que Nice avait probablement perdu le ballon ou était sur le reculoir. Et cette faute bête de se jeter sur le joueur à terre. Alors je pense qu'on devrait avoir besoin de lunettes tous parce qu'ils ont bien fait rentrer. Donc c'était Florent Lorenzon parce que c'est pas Raphaël Carbou qui a pris le carton, mais André Ursaquet puisque Raphaël est positionné dans le couloir des 5 mètres. Ah ouais, tout s'explique. D'accord. Alors de loin c'est compliqué effectivement de bien voir. Mais effectivement, les deux joueurs ont le même profil. Mais effectivement, Carbou est là. Et c'est Dédé Ursaquet qui a pris le carton jaune. Voilà, tout s'explique. Allez, ça va être lancé pour beaucoup de temps mort dans ce match, par contre. Pas mal de temps mort, ouais, effectivement. Entre les accrochages, les cartons, enfin le carton et quelques approximations. Allez, le lancer pour Nice, milieu de touche. Bien lu, bien lu par la défense. Pas terrible. Elle a été touchée. Ben c'est là qu'il faut mettre la pression dessus. Et là peut-être que monsieur l'arbitre va... Il n'y a pas de contact. Solinas qui a rejoué avec ses avants. Et Paulé Melvado qui va à la percussion. Ouais. Pareil, il est bien pris sur la ligne médiane. Alors il faut lâcher. Solinas, Guéry qui va monter une chandelle. Non, ça va être un jeu pris de coupation. Il y a Pierre Guillon qui court. Attention, rebond. Il faut qu'il se concentre sur le ballon, pas sur le joueur derrière. Et touche bêtement quand on cédait. Et tout est à refaire. C'est bien joué de Nice puisque ça a été, le fond de terrain n'était pas couvert. Malheureusement c'est Pierre Guillon donc c'est pas le 3 quarts le plus rapide non plus de Carca. Et puis je pense qu'il s'est senti sous pression puisqu'il a plus regardé le joueur qui lui arrivait dans son dos plutôt que le ballon. Et, et dans la panique il a touché le ballon sorti en touche et on reprend la pression avec une touche pour Nice à 10 mètres de l'embut. Après madame l'arbitre aurait pu manager le joueur numéro 7 de Nice puisqu'il est parti devant le botteur. Et donc n'aurait pas pu intervenir sur Pierre Guillon. Donc voilà. C'est bizarre parce qu'ils sont très friands de ça les arbitres. Et la logique est la même, Pierre Aguillon ne doit jamais se soucier du gars qui lui arrive dans le dos. Ouais.
Ah, c'est bien capté par Nice en tout cas. Et attention à la cocotte. Il va falloir bien défendre là, du côté carcassonné parce que ça va avancer, ça va avancer. C'est des axes, mais ça avance bien. Ouais, on tient plutôt pas mal avec un premier arrêt en tout cas demandé par monsieur l'arbitre. Ah, et ça va être laissé pour André Charlot. 2 contre 1 et c'est un essai. Il était pas sûr l'arbitre, il a demandé s'il n'y a pas un avant de place, ça juge de touche. Ah oui. On le sentait venir cette sortie côté fermé. Il profite d'un 3 quarts en moins dans la ligne défensive de Carcassonne et 5 à 3 pour Nice. Exactement. Nice qui, sur ce gros temps fort de plusieurs minutes, effectivement, a fait la différence. Voilà, Carcassonnais font trop de fautes techniques ou de placement, effectivement. Et donc, ça va te permettre, avant transformation, en tout cas, ça permet aux Niçois de prendre l'avantage au tableau de marque. Comme tu l'as dit, Johan, 3 pour lui associer 5. Pour Nice, David, j'ai quand même l'impression que là il va falloir se resserrer parce que les Niçois devant c'est fort, hein, c'est costaud. Oui, et puis bon, ils sont dominateurs parce qu'ils sont un de plus aussi en devant, hein, puisqu'il y a un avant de moins, oui, côté carcassonnais. Et puis sur les rares incursions qu'on vient de voir, effectivement, ils semblent quand même un peu plus dominateurs. Exactement. Allez, c'est le numéro 10. Riguet qui va pouvoir transformer. J'ai peut-être un peu plus l'habitude de jouer premier centre avec Nice d'ailleurs, mais ce soir en l'absence de Mathias Viard. Et tu disais que la charnière était assez jeune, hein, finalement. 20 ans et 22 ans. Mais comme la seule carcassonnaise, Pichon, 25 ans et Naïm Ouartou, 20 ans, il me semble, pour sa première titularisation à Domecq. Et ça passe entre les poteaux 7 à 3. Très très bien buté. Oui, très bien buté avec le vent. Ouais. 3 à 7. Il a un très joli pied gauche, il n'avait pas laissé beaucoup de points à Carcassonne au match aller. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais qui vont donner ce coup de renvoi, effectivement. On fait respirer un peu les organismes parce qu'on a été mis à mal à plusieurs reprises. Surtout tourner le chrono pour le carton jaune. Et faire tourner le chrono pour le carton jaune. On est à la 22e ici au chrono de l'USEC. Ouais. Et donc, Arto. Il doit rester 3 minutes encore pour le carton, 3-4 minutes. Hein. Ouf. Ouais, heureusement qu'il ne le prend pas, c'est là, Pierre Guillaume, parce qu'il y a vraiment la pression, mais... Alors qu'on travaille sur les rucks, on est plutôt pas mal du côté carcassonné sur les rucks, en tout cas. Ça va être Gaëtan Pichon, qui va pouvoir passer directement au pied. Très très bien tapé dans la zone où il n'y a personne, donc en plein milieu. Ouais, mais ils ont le vent avec David quand même, donc c'est sans trop. Voilà, il a dévissé. C'est la seule chose qui pouvait arriver, David. Oui, mais c'est stratégiquement très bien joué de la part de, exactement. De Gaëtan Pichon qui est allé chercher le milieu du terrain où il n'y avait personne et qui a fait monter tout son bloc défensif. Gaëtan Pichon a gagné le duel en tout cas du jeu au pied, là. Du territoire. Et ça va être lancé donc pour Raphaël Carbou. Qui est un genou à terre, donc il va y avoir un nouvel arrêt de jeu, hein, probablement. Parce qu'on ne va pas pouvoir. C'est le genre de première ligne, on ne va pas reprendre ça. Ouais. Voilà. Je vois qu'on est suivi du côté de Bourgoin, puisque Maxime Castan me donne les changements en temps et en heure. Donc un coucou à Maxime, ancien joueur de Carcassonne. J'espère qu'on va le voir la semaine prochaine, surtout. En interview aussi. Allez, on revient là ici au jeu. C'est toujours un temps mort ici à Domecq. On rappelle que Nice vient d'inscrire le premier essai du match, que le score est toujours de 3 à 7 pour les Niçois, mais que Carcassonne vend contre, et bien pour le moment, et campe un petit peu dans le camp niçois, à hauteur des 30 mètres, avec cette touche au lancer Raphaël Carbou. Faut pas se rater, là, les garçons, parce que ça peut devenir un temps fort, et ça peut devenir intéressant, on joue à 14, donc faire tourner le chrono, mais pourquoi pas rester dans le camp niçois. Il faut que Carca montre aussi de quoi il est capable sur les ballons portés et répondre un peu à l'adversité de ce soir. Allez, Romain Manca, bien belle. Merci, ballon porté bien construit. Ah, dommage, on n'a pas poussé là où il fallait. Le numéro 4 là. Allez, c'est parti. Pour les Carcassonnais, la cocotte, elle va pas rentrer dans les 22, peut-être on va voir. Que dit monsieur l'arbitre, premier arrêt. Ah non, il a bien nagé Fred, ouais. sur le ruck. Eh oui, mais bien joué. Ouais. C'est un avant. Un avant sur le plaquage de Chiot. Bien joué de la part de Solinas quand même. Hein. Bien défendu de la part de Solinas, qui a été en Pichon, qui n'avait pas le ballon en main comme il fallait. Heureusement, il y a un en avant commis par les Niçois. On reste à nouveau dans les 30 mètres.
Mais que ça doit être dur quand même, Johan, de faire un mal porté comme ça, de ne pas avancer. De ne pas avancer surtout, et puis de ne pas être capable de sortir les ballons comme entre guillemets l'attaque l'attendait. Donc c'est un peu rageant. Et puis c'est tout très très haché et ça fait tourner le chrono et évidemment ça profite à l'équipe qui est en tête au score. Donc pour l'instant, au stade niçois. Allez, cette mêlée. 30 mètres sur les 30 mètres là, les commandements de monsieur l'arbitre. Elle est bien placé cette mêlée, il y a beaucoup à jouer théoriquement. Ouais, sur le côté fermé, un départ avec Guyot et l'ailier, ça serait pas mal. Ça permettrait de gagner du terrain. Ce que nous a fait Nice tout à l'heure. Hein. Petit côté, un 2 contre 1. Ça permettrait je crois qu'on va pas jouer de ce côté là. Non, premier pété pour Carcassonne. C'est intéressant parce qu'on va avoir une pénalité. On va avoir une pénalité pour Carcassonne et les avants vont être récompensés en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs là? On prend les points, David? La pénalité est au même endroit que la première pénalité, donc dans toute logique, il va prendre les points. On demande les points, on demande les points du côté jaune et noir. Ouais, bien sûr. On va faire tourner le chrono aussi. Ça fait tourner le chrono et si on peut recoller 6-7, donc sur la, on est à la 25e minute ici. Ouais. Un peu moins avec les quelques temps. Oui, il y a du jeu. Allez, Gaëtan Pichon qui va pouvoir peut-être permettre à l'USEC de recoller au score. Mais que c'est dur, que c'est dur. Bien que cette mêlée, David, j'ai trouvé que quand même on avait été performant devant. Hein. Oui, oui, mais même sur la première mêlée du match, il considère que c'est Fabien qui est à la faute, mais peut-être c'est la même histoire sur celle-là. Donc c'est peut-être le gaucher niçois qui était en travers. Donc et comme elle était un peu plus loin, donc on l'a moins bien vu que sur celle-ci. Allez, Gaëtan Pichon, on va dire, allez, 24 mètres, un petit peu excentré. Comme le disait David très justement, il passe exactement au même endroit que c'est la première tentative. Et même résultat ou pas. Ça passe à côté. Ça passe à côté, il a choisi le premier poteau, ce sera donc un renvoi 22. Ouais, c'est le retour de André Ursaquet. Ça y est, il a purgé les 10 minutes. Ouais, c'est pas la bonne affaire pour Carcassonne quand même. Hein. Ouais, il a senti direct sur son piqué que le ballon partait trop à droite. Il l'a vu. Donc le chrono est à peu près aligné avec le chrono de l'arbitre puisqu'il a pris le carton à la 15e minute. Ouais, c'est ça. On aura peut-être une ou deux minutes d'arrêt de jeu, on va voir ça. Allez, renvoi 22 pour les Niçois. Et Rigué, voilà, qui tape très très loin ce coup de pied dans les 40 mètres. Carcassonne et Arto qui va partir en chandelle. Mais messieurs, il y a du vent ce soir, donc on va rester. On va être pénalisé, je pense. Ouais. Non. Punaise. Pauline Valou, rentre dans le camp Carcassonne. Sonina sa libération pour Rigué pour Vignol. Vignol qui attaque aussi la ligne. Pour l'instant, ça n'avance pas du côté de Nice, pas trop. Sonina qui va retrouver son numéro 10 Rigué. Rigué qui lance Fret qui est bien repoussé. Sonina toujours dans le sens avec Rigué. Rigué qui lance Bolena Ivalou dans le dos pour Lafont. Lafont, coup de pied et c'est capté difficilement par Rijane, mais bien capté au final. Il va faire l'effort maxime. Il est bien pris. On est au centre du terrain à 35 mètres de l'embut de Carcassonne. Ah, sur le côté gauche, elle est bonne à jouer. Pichon qui joue avec Arto. Ah, il faut la libérer. Arto. Ah, heureusement qu'il la garde. Allez, c'est parti. On insiste encore. C'était Bourita qui a ça, il me semble. Ah, j'ai l'impression qu'on va se faire pénaliser. Et il est parti tout seul. Marque de soutien. Parti tout seul. Ouais. Je suis pas sûr que c'était quand même le meilleur choix de partir tout seul dans le côté fermé. Moi. Je suis assez d'accord avec toi, Johan. En même temps, peut-être dans le mouvement, c'est ce que ça méritait, mais s'assurer que bien sûr il y ait du soutien, sinon on se retrouve tout seul et effectivement, ce sera donc une pénalité pour Nice qui va aussi chercher la pénale touche. J'ai cru qu'il devait montrer les poteaux, le joueur. C'est Rigué. Non, mais ils sont tellement moins excentrés, ils sont tellement bons sur les ballons portés, mais ils profitent de leur domination devant. Exactement. Et c'est pile poil sur la ligne des 22 mètres que cette touche aura lieu. Lancé bien sûr pour Tripoli. Voilà. Ouais, ils sont sur deux. Hein. Ouais, je trouve un peu trop sur deux quand même. Moi je trouve qu'ils sont assurés un petit peu de ce qu'ils font, ils sont assurés de ce qu'ils sont, de leur force. C'est la confiance d'un leader. Ouais, c'est ça. C'est plutôt intéressant de voir cette équipe de Nice évoluer en tout cas à l'extérieur avec un ballon capté difficilement. Ouais, capté difficilement, mais il l'axe. Bien gratté. Allez, encore. Ouais, c'est pas mal fait, il faut passer par le sol, ça lié ce qu'on fait du côté carcassonné. Mais pourquoi pas aller chercher un peu. Il faut peu sortir du camp, chercher très loin devant. Allez, Arto, son pied, va tomber. C'est pour Chou, non? Non, c'est bien fait, mais à hauteur de 40 mètres. C'était deux là, c'est pas bon, excusez-moi.
Alors attention les cannes là, hein, messieurs. Ah, il y a un plaquage là. Heureusement. Non, il le tenait, je crois. Hein, par contre, il y a un bon grattage côté Carcassonne. Hein. Je crois qu'il est bon, je crois qu'il est bon, David. Il a été signalé pour monsieur l'arbitre, effectivement. Et sur la ligne médiane, une pénalité pour Carcassonne. Pourquoi pas? Et oui, un Niçois qui fait crénade, fait roulade. On avait quand même pas mal les points côté Niçois. En plus d'être bien habillé, notre David Sans est poète ce soir. Donc vous avez de la chance, amis téléspectateurs, de pouvoir suivre les commentaires. Allez, une touche à hauteur des 40 mètres, signifiée par l'arbitre de touche, mais contre le vent. Hein, 30 mètres. Oui. Avec un lancer. Il allait revenir jusqu'au 40 peut-être. J'ai eu peur de ça peut-être. Avec un lancer pour Raphaël Carbou, effectivement. Allez, peut-être se créer un temps fort pour Carcassonne sur les 10 minutes restantes, puisque à notre chrono, on a dépassé les 30 minutes dans cette première mi-temps. Et donc, il faut aller chercher le temps fort pour les jaunes et noirs. Allez, lancez Raphaël Carbou. On va chercher milieu de touche, fond de touche. Arthaud récupère ce ballon, c'est pas grave. Tant pis pour le lancement de jeu, on va repasser avec les avants. Si il faut resserrer cette ligne de défense, il faut la resserrer, il faut jouer plus près encore. Voilà. Allez, c'est parti avec Carbou. Ça plaque pas aux jambes. Il n'y a pas les bras, je trouve. Hop, avec le plus. Ouh, là, monsieur l'arbitre, il n'a rien dit, monsieur l'arbitre. Il semblait qu'il y avait un petit plaquage haut, mais je sais pas. Ah, il est au niveau de la ligne des épaules, ouais. Ça va. Ouh, là. Moi, j'ai vu un mauvais geste aussi carcassonné, là, pour le coup. Hein. Le mauvais geste carcassonné. Par contre, sur cette action, je ne sais pas si on joue en national ou en championnat ou ailleurs. Tu vois, parce que le ballon porte. J'ai bien peur, mes amis. J'ai peur de quelque chose, là. Ah, bah alors, par contre, l'arbitre de touche, quand même, qui va signifier qu'il y a une faute à 30 mètres d'elle et qu'elle n'a pas vu le coup de poing à 5 mètres d'elle, ça me fait un peu rire, quand même. T'as eu quoi, une percussion à l'épaule? C'est ça. J'ai peur qu'il y ait un choc tête contre tête. Mais encore une fois, messieurs, je crois que si l'arbitre siffle le plaquage haut sur Dédier Zaké au Carbou, je suis désolé, on n'en est pas là. Hein. Voilà, s'il signifie l'avantage pour les Carcassonnais, parce qu'après, il y a un déblayage, effectivement, qui me semble un petit peu compliqué. Et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences majeures, en tout cas pour le 15 Carcassonnais, parce que ouais, si on regarde bien les gestes que font messieurs... C'est très tendu, en tout cas. Ouais, on va voir ce que dit monsieur l'arbitre et ça parle plutôt pas mal. On va voir ce que ça va raconter. Allez, on va appeler les capitaines probablement. Ah, c'est quand même. Enfin, c'est très très limite au niveau de madame l'arbitre, parce qu'à 7 mètres d'elle, elle ne voit pas le coup de poing et à 30 mètres, elle voit le déblayage. C'est un peu quand même limite, très très limite. Je suis désolé, ça fait un peu misogyne en direct à la télé, mais. Oula, alors attendez, parce que là. Je crois qu'au départ il a appelé un joueur ici d'abord. Je comprends pas l'arbitrage, monsieur. Je m'excuse. Ah ben alors là, à la vue. Je ne suis pas misogyne. Je suis carcassonné, mais je comprends. Alors à ce moment-là, je pense qu'elle a vu le premier plaquage haut. Non mais je pensais qu'elle appelait pour un jeu déloyal. Je l'ai vu avec son bras faire comme si elle rentrait sur le côté sur le mol et au final c'est un plaquage haut qui s'est lié. Oui, c'est le plaquage haut qui s'est lié. On va pas chercher la cohérence. Hein, tant mieux pour les gars. Je m'excuse auprès de madame l'arbitre. On s'excuse de l'avoir crépité gratuitement. Mais là, par contre, voilà, moi j'ai vu quand même un coup de tête carcassonné et je pensais que l'arbitre de touche signifiait ça. Bon, tant mieux pour Carcassonne. Un simple plaquage haut signalé. Bon. Ouais. Allez, l'opportunité pour Gaëtan Pichon de ramener cette équipe carcassonnaise à une petite longueur peut-être. Ouais, c'est un plaquage haut, hein, c'est ça, c'est le plaquage haut qui signifiait, en tout cas au Niçois. Peut-être l'arbitre vidéo donc qui a signalé un truc, je sais pas. Ça nous change, effectivement, ça nous change de la Pro D2. Parce que là, il y aurait eu un appel vidéo, mon garçon. Et je peux te dire que... Bon, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce genre de faute non plus, hein, le sachant. Allez, Gaëtan Pichon, 30 mètres en face des perches, vent contre. On va voir ce que ça va raconter après le deuxième échec, en tout cas, pour le demi de mêlée jaune et noir. Allez, c'est parti. Ça tape droit. Ça allait bien. Et celui-là, me semble, passe entre les perches. Carcassonne, 6. Nice, 7, on revient à une longueur pour les jeunes et noirs contre le vent. Et que c'est laborieux. Mais que c'est laborieux, et que tu m'enlèves ça de la bouche. Que c'est laborieux pour les jeunes et noirs sur leur temps fort. En tout cas, on n'a pas approché, on n'a pas eu une occasion d'essai. Je dirais même que le match en sa globalité est laborieux. On n'a pas vu grand chose comme ça. C'est ça. Ils ont eu quand même deux occasions d'essai.
du côté niçois. Nous, on n'en a pas eu encore une. Allez, c'est parti avec Riguet. Riguet, un peu long, se renvoie dans les bras de Léodard et Latour, qui va tomber. Il sort de ses 22 mètres, non ? Je ne sais pas. C'est sur la ligne, je ne sais pas. Alors, dans les 22 mètres. Ouais. Ah, ils refont une pilule. Ils vont rester avec Clément Fontaine, ouais, qui attendait de maintenant, dans les 22 mètres. On va pouvoir se dégager, ouais, par le pied en tout cas. Ils ouvrent l'angle donc, pour Gaëtan Pichon, qui va se faire un plaisir de sortir le ballon directement en touche, je pense. Oui, c'est exactement pour ça. Pour valider la sortie de camp, voilà. C'est exactement ça. Voilà, à hauteur des 35 mètres. Contre le vent, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on reste quand même sous pression du côté carcassonnais. Il reste 5 minutes ici au chronomètre de Domecq. Probablement quelques minutes de plus au chrono de monsieur l'arbitre. Il y a eu un échauffouré, quelques arrêts de jeu. Mais que c'est dur. Que c'est dur. Attention donc à se lancer en touche par Stripoli pour Nice. Bien capté en tout cas. Et ça va. Ouais, heureusement, ça a bien été contré. Il faut qu'on lâche du côté carcassonné. Voilà, le ballon va être disponible. C'est Solinas qui va faire jouer ses avant, je pense. C'est Stripoli qui attend le ballon et c'est lui qui est servi. Stripoli à la percussion. Ouais. Hey, ils sont refoulés un petit peu. Ouais, c'est un petit peu refoulé. Solinas dans le sens avec Fred. C'est le numéro 7, ouais. Qui est bien plaqué aussi. Solinas toujours dans le sens avec Riguet. Non, c'est Kutayar. Kutayar pour Riguet. Odieté. Allez, c'est Stripoli. Pareil, on reste dans les 40 mètres. Ouais, pas trop de pas lâcher, lâcher, il faut lâcher. Qui revient à droite avec Fred. Fred à la percussion qui est bien soutenu par ses compères de la troisième ligne. Ballon perdu. Une pénalité, je suis désolé. Sur le ruck. Le talonnage à Dallon qui est signalé par l'arbitre. Ce sera pénalité sur les 40 mètres de l'USC pour le stade niçois. Encore une fois, Tobet, David. Hein. Ouais, complètement. On est dans la zone de marque. Et cette fois-ci, ils prennent les points. Ah, logiquement. Logiquement, Riguet va prendre les points et essayer de prendre un petit peu le large pour les Niçois qui jouent avec le vent. Donc ils auraient tout intérêt en tout cas de grossir le score avant la mi-temps. Et je crois que la stratégie là, elle est assez simple. Mais c'est trop des points trop facilement donnés par Carcassonne qui, même pas une minute trente après le coup de renvoi, se reprend une pénalité. Et le fait de pouvoir revenir à un point va se transformer une fois de plus en un tout petit écart. Puisqu'avec le vent on est 30-40 mètres quasiment face au poteau pour le buteur. On va voir ce que ça va donner. Déjà il est du bon côté pour son pied gauche. C'est parti. Ça va bien taper, hein. Ah, il tape bien le garçon, hein. Il tape bien, ça bien tapé. Ouais, le poteau du milieu, comme on dit dans le jargon, le poteau du milieu. Allez, tout est à refaire pour les jaunes et noirs. Il reste 4 minutes, 4-5 minutes à mon avis pour rester dans le camp de Nice. Surtout ne pas offrir à ces diables de Niçois quelques occasions de quoi que ce soit de marquer d'autres points et pourquoi pas nous d'aller chercher autre chose. Alors qu'on a vu Artaud là qui a laissé tomber le ballon dans la flaque pour vous dire que quand même le terrain est quand même pas mal trempé. Allez, c'est parti, ce renvoi intéressant, un petit peu long. Qui prend directement le jeu au pied, qui aurait pu se faire contrer. Ouais. Et qui a bien dégagé son camp, en tout cas. Plutôt bien fait, effectivement. Ouais, très bonne sortie de carré côté niçois. Sous la pression, en plus. Pas trop de pression, hein. Vous trouvez qu'il y a des pressions ? Oui, il y a un petit peu de pression, effectivement. Moi, je le trouvais un petit peu long, le coup de pied de Artaud, effectivement. Mais la pression, après, est venue assez rapidement. Allez, 45 mètres lancés pour Raphaël Carbou. Et probablement une occasion pour les Carcassonnais de réinvestir en tout cas le camp niçois. Allez, ce lancer est en face de nous. On va bien voir s'il est droit. Oui, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Gaëtan Pichon pour notre ami Jordan. Pouletoua, dans l'avancée. Oui, le ballon disponible pour Pichon qui repart dans le fermé. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est pas mal. Oh là 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 là. Il y a un bel en avant. Non, c'est pas une simple pénalité là. C'est pénalité ça. Mais c'est pas possible. Ah, c'est avec le pied. Il dit que c'est avec le pied, monsieur l'arbitre. Eh ben, si c'est avec le pied, il y a jeu alors. Si, ouais. C'est ça, il a raison de lui dire que c'est... Si c'est avec le pied, il y a jeu. Ah non, c'est le joueur qui dit que c'est avec le pied. C'est pas possible. Ah, il vient quand même. Il redonne la mêlée à Nice.
Mais en fait, il considère que c'est avec le pied, donc il aurait dû laisser jouer le jeu. Donc possession pour Nice. Oui, oui, d'accord, d'accord. Effectivement. Alors nous, comme ça se passe de l'autre côté, le public, bien sûr, a vu en avant comme nous. Mais effectivement, donc peut-être... C'est-à-dire qu'on n'a pas les ralentis, donc on ne peut pas vous confirmer exactement ce qui s'est passé. Exactement, exactement. Dans la tribune, on n'est pas le mieux placé. Ça aurait pu être une occasion d'essai pour Nice, hein, finalement. On revient donc à cette mêlée avec Solinas à la manœuvre. Avec cette mêlée quasiment sur la ligne médiane, on est à 15 secondes des 40 minutes ici de la première mi-temps à Domecq. Pour l'instant, les jaunes et noirs ne font pas grosse impression. C'est plutôt Nice qui a fait le jeu ici à Domecq, qui a installé sa puissance. Ah, il a été confirmation sur la mêlée. Ah, Nice a un problème en mêlée. Hein ouais, c'est Martinez qui, depuis le début de la partie... Nice a un problème en mêlée. C'est un peu loin pour Gaëtan Pichon, donc je pense qu'on va aller chercher la touche, surtout contre le vent. Un petit essai avant la mi-temps serait bienvenu, forcément. Très bien. Il faut absolument marquer des points, effectivement. Est-ce qu'il y a une belle touche. Une touche très, très belle. Trouvée par Gaëtan Pichon dans les 22 mètres. Ah, allez, ce sera peut-être le dernier temps fort, en tout cas pour l'USC, qui est mené pour le moment, on rappelle, 6 à 10, un essai à 0. Tout le reste en pénalité. Raphaël Carbo lancé. Ah, le temps monte un petit peu ici à Domecq. Allez, c'est parti. Se lancer, on va chercher, on va le sécuriser. Oui, avec Romain Guyot, la cocotte. Allez, ça va pousser. Ça va désaxer. Ça y est, elle est dans l'avancée. Hop, on est dans l'avancée du côté jaune et noir. Hop, elle est dans l'avancée. Où est-ce que ça va la laisser? Ça s'est fondu, monsieur l'arbitre. C'est un carton jaune. Là, on est sur de la faute cynique aussi. Hein. En avant, mais il y a une pénalité. Donc. Ouais, alors. Mais il n'est pas logique, monsieur l'arbitre, parce qu'il a mis un carton jaune pour Raphaël Carbou sur la première offensive niçoise à 5 mètres de l'embut. Là, on était sur une faute cynique, c'était très bien arbitré, mais là, il faut faire la même chose par contre. Je suis d'accord avec toi. Ballon qui est écroulé à moins d'un mètre de l'embut, c'est une faute cynique. Il aurait même pu aller entre les perches. Hein. Il y en a certains qui seraient allés entre les perches, monsieur l'arbitre. Allez! C'est pas grave. Épreuve de force pour l'instant, rondement menée par les jaunes et noirs. Il faut assurer ce lancer en touche en tout cas. Et David, on aurait quand même pu peut-être jouer à la main. Hein. J'aurais préféré, mais bon. Hein, je sais que tu aimes ça, toi. Je sais que tu aimes ça. Oui, parce que, encore une fois, à la main, on sait qu'on garde le ballon. Le ballon est glissant et tout, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est un lancer. Après le premier bloc, voilà, parfait. Parfait. Alors, il y a une faute d'entrée de jeu, il y a une faute. Encore un avantage. Alors là, s'il ne me sort pas un carton, là, s'il ne sort pas la biscotte, le monsieur, moi, je connais plus rien. Il a la main à la poche, non ? Ouais, non, il... Ouais, il a, c'est bon. Ça, c'est... Allez, carton jaune. Non, c'est Sancho. C'est le numéro 3, mais c'est le Sancho. Est-ce qu'on ne prendrait pas une mêlée ? Ouais, moi, ça me fait peur, là. Non. Moi, je le jouerai à la main. Ou à la main ou en touche, hein, parce qu'ils sont dominateurs quand on touche là. Mais en mêlée, ils le sont aussi, du coup, ce dernier mêlée. C'est vrai. Mais c'est plus risqué, la mêlée. C'est un peu plus risqué. Ils sont poussés par Albert Domecq. Hein. Ce soir, ça crie, ça fait plaisir. Hein. Par contre, là, c'est possible que si le ballon porté est écroulé pour la troisième fois d'affilée, là, je pense qu'il doit aller entre les perches. Allez, on va voir ça. Et un SPT, théoriquement, c'est double sanction. Donc, ça faut le carton jaune encore une fois. Il faut assurer la touche. Il faut assurer la prise de touche. La prise de balle en touche, c'est primordial. Ça a souri de rien du tout et donc ça va être soit refaire soit une mêlée donnée. Non, je crois que la mêlée la touche est à refaire. C'est un problème de couloir, non? Je crois qu'il a lancé que l'arbitre refusait le couloir et qu'il a arrêté le jeu et Carbo avait quand même. Là il est un peu gentil. On a eu très chaud, hein. On a eu très très chaud. Ouais, sauter un premier bloc, ça suffirait peut-être d'avoir le ballon premier bloc. C'est parti. La cocotte, il faut la désaxer, ça y est, c'est fait. Oh, c'est... Il y en a avant. Ce sera la mi-temps, je pense, non ? Ouais, c'est chaud entre les avants, hein. C'est très chaud. Quel dommage. Ce temps fort donc concrétisé pour Carcassonne. Je suis d'accord avec Johan, il y avait un carton jaune même avant un essai de pénalité. Hein. Parce que sur la première action, quand même, il s'écroule à un mètre de la ligne. Moi, je trouve que monsieur l'arbitre a été plutôt clément. On est en apnée.
Ah non, mais tout à l'heure sur Carrefour, le public Carcassonne a trouvé ça sévère. C'était pas sévère, c'était bien arbitré. Non, non, c'était bien. Mais il faut faire la même chose dans ce genre de situation. Je suis assez d'accord avec toi. Allez, on revient au jeu. Ce sera donc Solinas qui va introduire ce ballon après ce temps fort. Quel dommage. Ah, par contre, oui, il faut changer les joueurs, oui. Et sur la dernière mêlée du stade niçois, on avait récupéré une pénalité. On espère que ça va être la même chose à 5 mètres. C'est un beau bébé qui rentre là. Oui, le 23. Poupouma. C'est un coupement très intelligent. Nice, ils sont allés le chercher à Rennes. Ouais. Qui joue maintenant en National 2. Ouais. Et qui est un vrai bon pilier de National 2. D'accord. Allez, on va voir ce que ça va raconter cette mêlée. Peut-être, pourquoi pas, si c'est un point fort ce soir Carcassonné, la possibilité en tout cas d'aller chercher quelque chose, à moins que ça filoute un peu et que ça sorte assez vite du côté de Nice. On va voir ce que ça va raconter. Allez, Solinas à la manœuvre. Les commandements de monsieur l'arbitre, on est à 5 mètres de la ligne après ce gros temps fort Carcassonné, infructueux, quel dommage. Parce qu'à la mi-temps, ça aurait été bien d'être devant, hein, je vous le dis. Hein. Ah, on se fait en plus pénaliser. C'est vrai qu'assez, je crois que c'est poussé. Donc les joueurs niçois vont envoyer le ballon directement en touche. Si c'est la dernière action. Mais alors là, 5 minutes, ouais, c'est allez. Mi-temps. Mi-temps, monsieur, ici, avec ce score de 6 à 10. Pas cher payé pour Carcassonne. Que de regret. Manque de pragmatisme. On se retrouve tout à l'heure, après quelques pages publicitaires. Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. À Fougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en 3 domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Fougan Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée de frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource. Former chez Asfougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Asfougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en 3 domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Asfougan Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Un droïde révolutionne la planète RH. Marre de la paperasse et de la préparation de la paix? Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais? Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Avec les logiciels Lucas, le futur des RH est déjà là. Temps et absence, dépenses, préparation de la paix, talent, Lucas, l'humain de la ressource.
Former Chasse pour Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Chasse pour Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Chasse pour Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Terrain de Carcassonne, pour l'instant, ils tiennent de très bons coups de la journée. Allez, on était en train de dire avec Johan, effectivement, que cette équipe de Nice a été pragmatique, en tout cas lors de cette première mi-temps, véloce devant, hein, même, on va dire. Petit souci peut-être en mêlée. En mêlée, dominé défensivement sur, ouais. Sur les prises de balles carcassonnaises en touche. Exactement. David, par rapport à Carcassonne, qui est mené 6-10, il n'y a pas trop de se poser de questions, non ? Oui, après, donc ils ont théoriquement un petit peu le vent, parce que le vent s'est un peu relevé, et du coup, il y a eu une grosse averse pendant la mi-temps
Et désormais, ça retombe un petit peu plus qu'en fin de première mi-temps. Ouais. Donc, je pense que le plan de jeu de Carcassonne sera d'aller investir le camp de Nice et de marquer très rapidement des points parce que cette dernière action fait mal, fait très mal parce que il serait passé devant au score, peu importe la transformation. Donc, avec un essai. Et donc, 11-10 avec le temps, on va dire un petit peu plus pour nous que pour eux, aurait été de bon augure. Mais bon, j'ai confiance en ces Carcassonne. Mais ils vont jouer à 14, c'est 14 premières minutes en tout cas. Et le ballon bien rattrapé, ouf, heureusement. Ça y est, le coup d'envoi a été donné. Le Carcassonne qui récupère le ballon. On va jouer probablement avec le vent, puisque Gaëtan Pichon demande effectivement une protection de la part des joueurs. La pluie tombe dru, hein, là, les garçons. Donc ça va être peut-être pro, mais on sera en dessous. Ouais. Ouf. Non, il y a pas, il y a rien. Il y a peut-être un petit en avant, ouais. Pour, bon. Pour Riguet qui est bien pris par les Carcassonnais. Il y a un bon contest. Il y a un bon contest. Très bon contest Carcassonnais. Ah, c'est pas mal ça. Ça commence bien en tout cas pour Carcassonne à hauteur des 40 mètres. Les points ou la touche? Non, les points. Il faut revenir complètement dans le score. Alors qu'on aurait perdu notre score initial sur le panneau. Faites attention. 6 à 10 et on choisit les points effectivement. Oui, mais il est sur les grands écrans quand même. Oui. Mais en fait, je regardais, ne pas se fier au... Le chronomètre n'est pas parti non plus. C'est pour ça, je vous dis, le tableau d'affichage n'est pas top pour le moment. On va voir ce que ça y est. Les garçons, il n'y a pas mieux pour commencer, non? Oui, et pour revenir à un point du stade d'Issois. C'est Gaëtan Pichon, évidemment, qui va encore une fois tenter de rajouter 3 points pour Carcassonne. Il a fait un échec en... Il a connu un échec en première mi-temps. Enfin, cette fois, il a le vent dans le dos. On espère que ça va l'aider à passer le ballon entre les poteaux. Elle est importante parce qu'il recollerait à un point de Nice. Et donc, serait, il n'y aurait pas besoin de marquer un essai pour passer devant. Exactement. Allez, Gaëtan Pichon, 40 mètres. Quasiment face aux perches. Attention à la pluie, grand vent. On va voir ce que ça raconte. Allez, c'est parti. Ça tapote, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Très bien goûté. Allez. 9 pour Carcassonne, 10 pour Nice. 3 faciles, 3 pénalités de Gaëtan Pichon. 3 sur 4, on va dire. 3 sur 4. Bonne manière de commencer. Oui. Deuxième temps. Ouais. Mais, il va falloir valider, hein. Il va falloir valider, messieurs, ces 3 points par une bonne sortie de camp suivie du renvoi de Nice. Voilà, qui est un renvoi choisi très long. C'est pour Pichon, il va peut-être dégager le camp directement. Ouais, c'est ça. Et très bien fait. Elle est bien faite. Elle restera dans l'air de jeu. C'est pas mal. Qui va monter une chandelle, je pense. Un petit coup de pied par-dessus, plus qu'une chandelle. C'est bien capté par Pichon. Ah, c'est même dommage qu'il n'ait pas fait. Allez, s'il joue sur l'extérieur rapidement, il y a un coup à faire. En plus, il y a des avances sur l'extérieur. Ah, mais ça joue bien devant, ça joue bien. Oh, le ballon est éjecté. Ouais, ça va être. Il a arraché l'impact, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'est Lafond qui va à la percussion, qui est bien pris aussi sur le côté. Solinas qui va rejouer avec ses avants. Là, surtout qu'il a assisté en plaqueur. Pauli qui va à la percussion et Poupouma qui a fait un peu d'écran, qui est passé devant la défense carcassonnaise. Très gros plaquage de Kevin Fontaine. Hein. Il est en jeu surtout. Il faut bien récupérer. Oh, le 52 peut-être. Hein. Non, on va le chercher. Oh, Léo derrière la tour. À la course. Attention dans les mêmes secondes. Oh, il a perdu. Léo qui l'a récupéré. Est-ce qu'il a commis un avant? Je pense qu'il a un avant de Léo derrière la tour. Oh là, il a commis un avant. Ouais, je pense aussi. Non, non, plus du carcassonne général, il y a un avant d'arrêt la tour. Le ballon n'a pas été maîtrisé. Ah, c'est dommage. Tour, dans son camp, et d'arrêt la tour. C'est dommage, il aurait peut-être pu pousser au pied. Peut-être, hein, peut-être David, tu as raison. Effectivement. Il a voulu sécuriser en récupérant le ballon en glissant. C'est un geste très technique. Ouais. Alors, on va avoir une pensée pour nos amis niçois qui nous écoutent et qui nous regardent, puisqu'on a regardé un petit peu les commentaires et tout ça. Donc, on salue les personnes, les niçois qui nous regardent, bien sûr. Avec le plus grand des fair play, bien entendu. Et une belle équipe de Nice, hein, encore une fois, hein, qui est venue ici à Domecq en bon leader, j'allais dire. Et effectivement, eh bien, écoutez, à nos amis niçois, on vous salue bien bas. Et la mêlée sera pour Carcassonne, hein, messieurs. Ah bon? Oui, c'est Gaëtan Pichon qui a le ballon dans ses... Ça veut dire que le premier en avant a été vu par le récupérateur de balle. Il me semblait que c'était dans son camp, par contre. Oui, moi aussi, j'aurais vu plutôt en arrière que en avant. Mais l'arbitrage vidéo, on a décidé autrement. Allez, on revient sérieux à cette mêlée avec introduction Gaëtan Pichon, comme le disait David. Très et justement, et par contre, c'est une munition, hein, pour les jeunes joueurs, ça change pas mal de choses. Allez, c'est parti.
commandement. Pareil, il y a beaucoup de fermé à jouer si jamais. La mêlée stable, la mêlée. On est récompensé du côté de Carcassonne. Mais il aurait pu laisser jouer quand même. Hein. Il aurait pu laisser jouer parce qu'on est un de plus derrière. Je suis assez d'accord avec toi. Mais peut-être prendre les points directement pour passer au tableau d'affichage, au vu aussi des conditions météo, David. Oui, tout à fait. C'est plutôt intéressant pour les Carcassonnais. Et j'allais dire peut-être l'aspect psychologique, on n'en parle pas assez. Mais depuis, on n'a jamais été devant dans ce match, hein, David. Donc pour la première fois, peut-être Carcassonne. Si, on a été devant puisqu'on menait 3-0. Ah, pardon, oui, c'est vrai, effectivement. On a mené 3-0. Effectivement, tu as raison. Allez, Gaëtan Pichon, dans les 22 mètres. Ça y est, le chrono est parti au stade, mais ne pas se fier parce qu'il y a un peu de retard. Ouais, ça fait 5 minutes qu'on joue. C'est ça, on va pas trop. Donc on va rajouter 2 minutes 30 au chronomètre que l'on voit ici. J'ai le chronomètre à côté de moi. Alors que là, c'est la pluie redouble, hein, la pluie redouble ici à Domecq. Une espèce, alors c'est pas tout à fait une pluie, c'est une espèce de petit crachin pluie, hein, mais. Les conditions se dégradent au fur et à mesure de la partie. Alors que notre cher Philippe nous avait quand même dit qu'il ne pleuvrait pas pendant le match. de bonnes prédictions de la part de notre technicien. Allez, oh, il passe. Oui. Elle est passée là. Non. Ça passe à côté, messieurs, dames. Oh là là. Excessivement étonnant. J'ai baissé la tête, j'ai rien vu. Ah ben écoute, il a tapé effectivement complètement. Elle est passée à droite des poteaux. Allez, c'est pas grave, il faut rester dans le camp niçois, côté Carcassonnais. Il a glissé ou même pas ? Non, même pas. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. C'est pas grave. Mais effectivement, c'est. Là, on voit de rigueur, dans les bras de Jeannet qui a monté une chandelle. Ils auront d'autres opportunités, les Carcassonnais, car Nice est un peu plus fébrile dans ce début de deuxième mi-temps. C'est son glace qui a bien capté la chandelle. Ouais, bah, très bon contre-ruck. C'est Simon Delas qui est devant ses 22 mètres. Il y a Montes de l'eau derrière la tour. À nouveau un comment conteste. Non, pas récompensé cette fois. Le Solinas qui va sûrement prendre le jeu au pied. Non, oui, il va rejouer avec ses avants peut-être dans un premier temps. Oui, mais parce qu'il est sorti des 22 là. Non, je sens qu'il il va prendre le jeu au pied. Donc il ne peut pas trouver la touche. Donc ça veut dire qu'il va laisser le ballon probablement dans l'air de jeu. On va voir. C'est le cas. Ouais, c'est le cas, mais il ne va pas dépasser les 40 mètres. Donc là, dessous, très bien, Maxime Jeannet plutôt bien pris. Allez, il faut lâcher, messieurs. Voilà. Surtout que le numéro 6 de Nice sorte de la zone, c'est bon. Allez, il faut aller chercher la zone près du rock. Là. Il faut aller en course négative pour avancer un petit peu parce qu'on attend le ballon. On est dans les 40 mètres. Belle avancée de Raphaël Carbou, en tout cas. Et c'est par le petit côté, c'est intelligent. Allez, avec Dédé en percussion qui était attendu. Hein. Dédé, il est attendu, il est très attendu. Et il a même fait un en avant, donc le ballon est rendu à Nice, messieurs. Et joue au pied. Et le jeu donc au c'est pied. C'est Kutayard qui a bien joué au pied, qui. Non, qui sort pas en touche. Non. Mais Jeannet qui va être sous pression dans ses 22 mètres, c'est il est bien pris. Ouais, mais il a bien récupéré, il y a du soutien, me semble-t-il. Il y a un beau contre-recours. Là, il faut pas perdre le ballon, il faut pas perdre le ballon côté Carcassonnais. Non, on l'a pas perdu, je crois. Mais par contre, s'il peut sortir, le champ n'est absolument pas couvert. Rien, là, c'est trop tard. Effectivement. Là, on repasse par une cellule d'avant dans les 22 mètres pour sortir au pied. On se complique la tâche, David. Hein. Moi, je trouve personnellement. Hein. On se complique la tâche. Il y a un surnombre sur le petit côté. On va en percussion. Alors que peut-être il y a peut-être un jeu main-main à faire aussi pour déplacer un peu le jeu. Disons que le joueur qui a choisi d'aller à gauche du rack aurait mieux fait d'aller à droite puisqu'il y avait ses coéquipiers à droite. Et en tout cas, c'était Gaëtan Pichon. Ça a cassé la dynamique. Très bon coup de pied de Gaëtan Pichon. On n'est pas remercié par les arbitres. Hein. Je vous le dis. Parce qu'il avait mis un grand coup de savate là, qui arrive à peine sur la ligne médiane. Et bien sûr, la touche pour Stripoli, du côté niçois. Alors, on n'a pas dit, mais je crois qu'il n'y a pas eu de changement à la pause. Je n'en ai pas vu. Non. Christian Touquet a fait son retour du carton jaune. Par contre, il pourrait peut-être coacher Dédé pour le faire reposer un petit peu. Bien capté du côté de Nice, difficilement contrôlable. Allez. Qui est bien pris par la défense carcassonnaise. Ils ont perdu 10 mètres là sur la touche le stade niçois. Riguet qui prend la poste de 9. Il joue avec Jules. Ils ont la pression. Qui est bien pris lui aussi. On met la pression sur ce joueur niçois du côté carcassonnais. On défend plutôt bien. On défend plutôt bien côté carcassonnais. C'est un peu moins conquérant les avant-niçois depuis le début de la deuxième mi-temps. Ils sont 14 aussi. Enfin, non, il est revenu. Il est revenu, ça y est. Ils sont 15. Ça y est, ils sont ressortis. Donc on a pris 0 points. 0 points. On a pris 3 points. Solinas qui a pris le jeu au pied, c'est dans les bras de Boruta Kiyasa qui va sûrement relancer.
capté en 2-3 voilà, temps. Mais qui est allé trop loin du soutien. C'était ouais. 10 minutes à 10 minutes. Il y a du monde sur l'extérieur par contre. Avec Gaëtan Pichon, on est trop loin des soutiens. Il y a un pilier seulement 2-3 quarts sur l'extérieur. Dans le dos, il y avait une passe à faire. Mais là, les soutiens sont trop loin côté Carcassonne. Il y avait une passe dans le dos à faire pour que les toits et le décalage sur le On joue complètement à l'envers côté Carcassonne au lieu d'aller chercher le terrain niçois et d'occuper le terrain niçois. On joue chez nous. Je ne pense pas que ce soit les consignes des entraîneurs. Ils vont prendre les points sûrement le stade. Oui, bien sûr. Non. Bien sûr. Il a montré les poteaux. Ouais. Effectivement, ce jeu de percussion, David, à mon avis, ne rend pas service à Carca. Non, il n'a pas montré les poteaux encore. Il a signalé le contest. Là, il montre les poteaux. Il a fait tout à l'heure la même chose. Je te parlais du joueur. Le joueur a montré les poteaux à l'arbitre. L'arbitre ne l'a pas montré parce qu'encore les touches étaient dans le coin. Oui, il a spécifié ce qu'il avait sifflé. À l'occurrence, le grattage valide du joueur en Nice. Ouais. Et la possibilité pour Nice de reprendre ses 4 points d'avance. Avec cet essai marqué aux alentours de la 15e minute, 20e minute, effectivement, et ça, ils ont creusé l'écart à ce niveau-là, avec un jeu puissant et en tout cas un jeu de passe. Et contre le cours du jeu aussi, puisque Nice est dominé depuis la reprise, oui. Et pour l'instant, il répartit autant de points que Carca depuis la reprise. Et il joue un petit peu sur nos erreurs actuellement. Bien buté de nouveau. Ouais. Passe entre les poteaux. Voilà. La différence, elle est là, David. Hein. 6 points laissés en route du côté Carcassonne au pied, un bel essai du côté de Nice et 100% de la part du buteur. Voilà, on comprend pourquoi Nice est leader de ce championnat en tout cas. Pragmatique, ils savent à un moment donné jouer aussi à l'extérieur, c'est-à-dire attendre, être patient et savoir prendre les points comme il faut, puisqu'en fait depuis ce début de seconde période, ils n'ont pas montré grand-chose. Hein. Non, ils profitent de Carcassonne. Exactement. Carcassonne est souvent son pire ennemi. Allez, Arthaud pour cette remise en jeu, alors que la brune s'est calmée à nouveau. C'est Simon Delas dans ses 22 mètres, ouais. Qui sort de ses 22 mètres. Là, j'avais cru qu'il avait fait un en avant, hein, mais non, c'était non, juste... Non, il a bien lâché en arrière et c'est Simon Delas qui apprend le jeu au pied encore, je pense qu'il demande à mettre la... Ça se tend encore dans les avants. Ah, il est chaud patate. Romain Manquin, il est chaud patate. Ah, ouais, ils sont entre marbonnés, hein, là, Martinez Manquin. Ouais, ouais. Je pense qu'il est un peu énervé, notre Romain Manquin, de la tournure des événements. Parce qu'on était dominateur. Pourtant, Romain Manquin, c'est un des rares joueurs carcassonnés aujourd'hui à l'avoir connu, parce que l'effectif a beaucoup changé depuis le départ de Jules Martinez. Oui. Et en plus, ils se connaissent bien. Et puis, comme le disait David, entre marbonnés, ils se connaissent forcément. Exactement. Allez, ce sera une touche avec un lancer Raphaël Carbou juste à l'entrée des 22 mètres pour les jaunes et noirs. On demande de bien placer les joueurs. Ça y est, c'est fait. Ça va être pas ça non plus. Avec Romain Guyon, premier sauteur. Là, il faut sauter de suite. On va faire un fond de touche. On fait un fond de touche là, messieurs. C'est ballon perdu. Il n'y a pas de sauteur devant. Le bloc de saut n'est pas en place. Le contre-rec pour les Carcassonnes qui récupère le ballon. Allez, ça va être parti avec Arthaud qui casse un plaquage, que deux plaquages avec les points de Guibol. Il y a du monde sur le côté fermé. Allez, encore une fois. Il y a une passe à faire. Il y a un pic intérieur, il y a un avantage à courir. Il y a sûrement un avantage. Bon avantage du côté. Il faut jouer maintenant parce que. C'est quoi cette passe de Masson? C'est pas possible. Une pénalité pour Carcassonne. Il faut aller chercher le ballon porté à 5 mètres de l'embut. Oui, mais on n'est pas serein quand même. On n'est pas serein dans ce que l'on fait. On a des occasions, on a des choses, mais on n'est pas serein. Allez, il faut qu'ils se ressaisissent. Il n'y a pas de bloc défensif devant identifié. Il faut qu'ils sortent de suite. Au moins, c'est fait, ils ont le ballon. C'est ça. Allez. Assurer les lancers. Et aller en terre promise pour aller marquer un peu les esprits, on va dire. Après ça, pour l'instant, on l'a pas dit. Voilà, le casque rouge n'est pas derrière son sauteur. Il n'y a qu'à sauter devant. Et le ballon est dans les bras de Romain Guyot. Je veux dire, c'est très rapide. Après ça, on l'a pas dit. Carcassonne, c'est la meilleure défense du championnat à domicile. Et Nice, c'est la meilleure défense. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Allez, on va se prendre un carton jaune. Non, on joue à l'envers, messieurs. On peut pas gagner ce match pour le moment. On ne peut pas le gagner ce match. C'est pas possible. On a tout, les occasions, tout pour faire et on n'y arrive pas. Je pense qu'il y aura un carton, hein, minimum. Ah mais oui, c'est un plaquage à l'épaule. Plaquage à l'épaule, forcément, ce sera un jaune. C'est qui? C'est Clément Fontaine, je crois, non? Parce qu'il a levé la main pour s'excuser, j'ai l'impression. Donc ouais. Je sens qu'il est coupable. J'espère que ce sera que jaune.
Non, on joue pas bien. On joue pas bien du côté carcassonnais. C'est dommage. On a tout ce qu'il faut. David le dit très, très facilement. Premier sauteur, tranquille, une cocotte qui avance. On va chercher très loin, on va chercher dans la difficulté. Et finalement, on se met à la faute. J'espère que ce ne sera qu'un carton jaune pour notre ami Clément Fontaine. On va voir ce que ça va raconter. Mais entre Gaëtan Pichon, on n'y est pas sur les moments décisifs de cette rencontre, je trouve. Non, on est trop approximatif. On a très bien géré entre guillemets les touches de la fin de la première mi-temps. Et on les gère très très mal. Ouais. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, quand même, ils n'ont pas identifié cette. Ce serait Jordan Pouletoua au plaquage. Ah oui, peut-être, oui. Que dit monsieur l'arbitre? En tout cas, oui, a priori le joueur. Et je pense que ça va être un rouge, je vous l'annonce. Les garçons. Non, ce sera un jaune. C'est un jaune, jaune. Pop. Ouais. Bah écoutez, ce serait une pénalité. Non, on peut même pas dire qu'il s'en sort bien ou pas, on n'a pas vu l'action. Non, mais il n'a pas eu point d'impact. Quoi, Oui, pardon, avec la vidéo, on l'a pas, bien sûr. Mais de là, on a vu qu'il est allé à l'épaule, quand même. Donc voilà, donc sinon, on l'a vu, l'arbitre l'a vu, il l'a vu de suite. Et comme, comme Johan disait, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est Carca. Puis surtout, voilà, comme disait David, sur les touches, on tente peut-être des choses qu'on peut tenter quand on mène de 20 points par exemple, quand il y a moins de risques. Là, quand on veut recoller au score, il faut peut-être, tant pis, assurer les bases, ouais. Assurer les choses simples et se remettre dans le match avant de tenter des choses un peu plus compliquées, entre guillemets. Et Carcassonne va devoir serrer les fesses un petit peu pendant 10 minutes, qui se retrouve à 14. Une petite touche trouvée par Riguet, mais contre le vent, bien sûr, contre le vent. Lancé à suivre pour Stripoli et pour l'instant Nice. Alors c'est la bonne affaire. La première ligne, c'est Vola qui rentre en pilier gauche. Ouais, pilier c'est solide. Kukuma, c'est solide en première ligne. Et l'honneur Anga Aelangi. Donc sortie de Martinez, Stripoli et Sianzio. De toute la première ligne, effectivement. Du 109. Du 109 pour l'Ennis. Carcassonne, il y a deux changements, messieurs. Adendorf. Ouais, Adendorf qui fait sa rentrée, la nouvelle recrue. Là, ils vont sauter en fond, ils l'ont fait tout à l'heure. En tout cas, comme le disait David aussi, ouais, première ligne qui vient de rentrer du côté de Nice, c'est très très solide. Ouais, c'est épais, c'est ça. Voilà, c'était identifié encore une fois, j'arrive pas à comprendre. C'est Riguet qui a bien capté son ballon en fond de touche. Sio qui va à la percussion. On n'arrive pas à lire, on David. De sens, rugbystiquement, Solina, on n'est pas terrible. Là, il y a un 5 contre 3. Delas qui reprend le côté. Et heureusement. Bien contrôlé. Heureusement sur le côté numéro 7. Odieté qui va faire office de demi-mêlée. Voilà. Ça s'agrippe encore entre les joueurs. Solinas qui reprend le côté fermé. Fred qui est bien plaqué, bon contest. Il y a un contest de Léo mais il n'est pas sur le ballon, il ne sera pas récompensé. Solinas, Vola dans le dos pour Riguet. Riguet remise en avant pour Odieté. Parce qu'il n'allait pas le ballon, pas. Solinas qui va jouer dans le sens avec Meurdé au niveau des 50 mètres. Solinas dans le sens, Riguet. Riguet qui lance Lafond dans le dos pour Riguet, la redoubler avec beaucoup de réussite quand même. Delas pour le coup de pied. Non. Il y a hors-jeu. Il y a un hors-jeu. Mais c'est pas possible. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Il s'est joué rapidement par Kutayer qui rentre dans les 22 mètres de Carcassonne. Il arrive dans les 10 mètres de Carcassonne, il est repris, il passe et c'est. Essai de Solinas. Non ? Oui, essai de Solinas. Quasiment entre les poudons, donc ça va faire plus 7 pour le Stanis. Ouais, c'est l'essai du break. Voilà. Voilà, messieurs, ce qui s'appelle du pragmatisme. Ouais. De la réalisation faite et bien prescrite. Signé le stade niçois. J'allais dire douche froide sur Domecq, mais la douche on la prend depuis tout à l'heure. Donc Va falloir un petit réveil de quelque chose, en tout cas jouer au rugby. Jouer un peu plus intelligemment que ce qu'on est en train de le faire et de montrer ce soir. Jouer tout court peut-être. Comment ? Jouer tout court peut-être. Jouer un petit peu, se lâcher effectivement. Allez, on joue les leaders, à perdre, il n'y a pas de problème. On est ici à Domecq, ça fait 2 mois qu'on. On n'est pas revenu, c'est bien dommage, ça gâche un peu la fête. Mais que c'est propre du côté de Nice en tout cas, que c'est intelligent. Ah, il ne faut pas oublier que à Chambéry, il perdait également avec un écart conséquent. Donc il faut peut-être qu'il,
qui remettent la marche en avant. Les Carcassonnais, on est encore à domicile quand même, hein, on ne va pas non plus lâcher le match. Donc le prochain coup de renvoi, il va falloir remettre les pendules à l'heure, je pense. Et encore une fois, il suffit d'un ballon cette année, soit on l'a vu, pénalité. Pourtant, ça partait d'un. Ils étaient sur le recul, voire coup de pied, on se met hors jeu trop facilement. C'est une faute pas très intelligente. Non, bon, bête, on peut employer ce mot. Ça joue rapidement, trois plaquages manqués. Et ensuite, Kutaya qui a fait une belle percée et qui a bien remis à son demi-mêlée, qui a fini quasiment entre les perches. Donc, Nice qui est très 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 réaliste et qui joue très bien le coup à l'extérieur. Exactement, mais Domecq l'a bien compris, il harangue ses joueurs, en tout cas pour aller chercher quelque chose, et en tout cas une réaction qui ne devrait pas se faire attendre, je l'espère en tout cas. Il est sorti de ses 22 mètres, le joueur de Nice. Il faut rappeler que Carcassonne est à 14 aussi quand même. Aussi, il est à 14, bien sûr. Et pareil, c'est anecdotique ce que je vais dire, mais Nice n'est qu'à un essai du bonus offensif. Aussi. Il est encore pénalisé Carcassonne. Sadendorf qui n'est pas sorti de la zone, plaqueur plaqué. On est encore pénalisé du côté des jaunes et noirs. J'ai peur, messieurs, ce soir qu'on prenne une leçon de rugby. Non, David, je te vois faire la grimace. Mais. Leçon de rugby, non, parce qu'on n'est pas sûr de dominer. Leçon de rugby dans le sens de la gestion. Oui. Gestion du jeu, gestion du temps, gestion de tout ça. Ah ouais. Parce que pour moi, la leçon de rugby, on l'a prise au match aller. Ouais. Au match aller, on a pris un paquet d'essais. Là, c'est une leçon dans la gestion, ouais. À l'extérieur en tout cas. Oui, si Carcassonne pouvait s'inspirer de ce que fait Nice à l'extérieur, on aurait sûrement ramené plus de points des trois derniers déplacements. C'est ça. Allez, se lancer pour Rodin et Langui. Le talonneur niçois. Ils vont relancer en fond, au milieu, mais en fond sur. Hein. Voilà. Bien vu, David. Je veux dire, c'est. Ouais. On ira le dire au staff. Il y a encore du monde sur l'extérieur. Hein. Il y a encore du monde. Heureusement qu'il a passé un peu dans le dos pour Odieté et qu'il avance bien, qu'il a donné à Charla qui est bien pris, mine de rien. Ça va vite, ça joue vite du côté Riguet, de Nice. Riguet pour Poupouma, qui est très très solide à l'impact. Voilà, ils font mal, hein. Ils font très très mal. C'est belle équipe de Nice. Attention de ne pas se mettre à la faute. Il y a un beau ballon récupéré par Carcassonne. On a encore récupéré. Allez, oh, quel dommage. Non, mais c'est bien joué. Il y a Bourré avec Bourré. Ça, s'il n'est pas parti en jeu. Pousse ça au pied, pousse ça au pied. Oh là 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 là. Sauf qu'il était face à un avant, donc il y avait sûrement quelque chose à faire au niveau de la course. C'est là que je parle d'intelligence, David, de jeu, tu vois. Je sais pas si c'est énorme, après on peut pas les blâmer sur ça. C'est non, mais moi je blâme personne. J'ai juste que je pense qu'il a même pas eu l'idée de pouvoir le jouer au pied. Tu vois. Voilà. Alors qu'il était quasiment sur la ligne, alors après il le récupère, il fait une pivote. C'est comme l'histoire du ballon tout à l'heure touché, repris oui, en avant dans une position de hors-jeu. Pourtant c'est pas la règle la plus dure au rugby, mais. C'est ça. Et pourquoi il y a mêlée là? Parce qu'il considère qu'il a fait un avant. C'est un avant qui sort en touche, donc double choix et la mêlée. Voilà. Ah, mais il n'est pas déjà en touche quand il touche le ballon. Et non. Je pense pas, non. Et non. C'est pour ça que je te parle du pied. Allez, touche sur les. À hauteur des 40 mètres. Mêlée, du coup. Mêlée, pardon, avec Solinas, toujours à la manœuvre. Et une charnière, en tout cas une belle charnière niçoise, qui fait ses preuves en tout cas ce soir. Comme quoi la jeunesse ça paye. Les deux jeunes issus de centre de formation de Pro D2, parce que Solidas vient d'Aix-en-Provence, Provence Rugby. Ouais. Et Romain Riguet qui était avant d'arriver à Nice, était du côté de Montauban. Ouais. Merci pour ces précisions Johan, mais effectivement, me semblait-il là, David, devant nous ça s'est passé, il me semble que le pilier droit de Nice est plutôt tombé en premier. Oui. Mais après on ne sait pas très bien. Hein. Dans ces phases de jeu. En tout cas. Ah, changement. Trois changements pour l'US Carcassonne. Avec c'est Cécile, Agili et Lorenzo qui reviennent sur la pelouse. La sortie numéro 2, Raphaël Gardou. Et la sortie d'autre numéro 3, Romain Dumont. Allez, Dédé Ursaquet qui sort, Raphaël Gardou qui sort aussi. Et Romain Guyot. Ouais, sachant qu'on a quand même pas trop de sauteurs dans le paquet d'avant. Donc. David, pour nous lire en touche. Hein, David, on est toujours à 14 du coup. Ouais. Oui. Okay. Oui, on est toujours à 14. Hein. Sachant que je comprends pas pourquoi Gaëtan Pichon suit le ballon, il devrait plutôt défendre à côté des Narto. Ce serait plus logique. Hein. Allez, Carcassonne le conquérant mêlé, c'est le seul point positif de la soirée. Donc, on va espérer que la.
Mais c'est pas bien pour Carcan. On rappelle le score, Johan, s'il te plaît. Stanisois qui mène 20 à 9 sur la pelouse de Carcassonne, 2 essais à 0. Et donc le Stanisois, comme je disais tout à l'heure, a un essai, mine de rien, du bonus offensif. Voilà. Allez, Gaëtan Pichon qui vient bien cadrer en tout cas le porteur de balle. Et ça envoie du côté de Nice. Hein, la pluie s'est estompée. Quasiment, j'allais dire. Il y a encore un petit crachin. Mais effectivement, le stade niçois hein, qui est venu jouer au rugby et qui lancement simple et porte efficace. Le ballon. Un joue petit côté. Ouh, heureusement qu'ils font des. Non, mais il n'y a pas de faute, c'est repris par le même joueur, donc il n'y a aucun problème. C'est avec le pied. C'est pas couvert. Est-ce que c'est direct. Heureusement qu'ils font des petites fautes techniques. Les Niçois, mais que c'est compliqué, que c'est compliqué. Allez, ça va être une touche avec au lancer Petrajvili. Pour les Carcassonnais. Dans leur 50 mètres. On voit qu'est à la manœuvre, hein, messieurs. On n'a pas investi les 22 mètres depuis au moins 10 minutes. Certes, on était à 14, mais on a le vent contre et le vent pour. Et on ne s'en sert pas trop. Donc ça veut dire qu'on est privé de ballon, hein, tout simplement. Hein. Et peut-être c'est une tactique aussi des Niçois dans cette seconde période, que de priver les Carcassonnais de ballon. Bon, après, ils sont contre le vent, donc ils ont plutôt intérêt à tenir le ballon. Complètement. Hein. Allez, lancé en touche. Il reste un gros quart d'heure. Hein. Heureusement, bien capté par Carcassonne. Arto en percussion. Arden van den Dorf, le puissant. Deuxième ligne, Carcassonnais nouvellement. Oh, c'est l'arbitre. Non, pour moi, il était bon. Il est parti au pichon. Là, il peut y avoir un second. Là, il peut y avoir un second. Clément Fontaine en percussion. On est rentré dans les 50 mètres. Ah, c'est pas le bon côté. On est trop lent. Gaëtan Pichon. Malheureusement, on est trop lent. Là, il y en a mal. C'est du n'importe quoi. Non, il y en a 20 blancs. Ouais, mais ce sera une mêlée pour mon avis. Pour Nice. La première en avant est Carcassonne. Ouais, c'est le joueur au sol. Je pense que c'était Pierre Aguillon qui a fait un avant au sol. Ouais. Tu maîtrises pas le ballon. Hein. Tu maîtrises pas bien le ballon. Tu peux pas offrir un jeu propre, entre guillemets. Et va. Qui va rentrer pour Carcassonne. À la place de Jordan Pulé, tu vois, normalement, qui ne reprendra pas la place au centre. Ouais. Donc le carton vient de. Les 10 minutes du carton viennent de passer. Jordan Pulé, tu vois, remplacé par le numéro 21. Tout de suite, Vaya, voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, je veux dire les E et les A, il n'y a pas besoin. Vaya. Voilà, moi je pensais qu'il fallait. C'est plus facile que notre ailier droit. Hein. Bourey Takayasu. On est d'accord. Kayasa. Bourey Takayasu. Ouais. Oui, mais nous, on n'a pas fait d'orthophonie comme toi. Ah, moi non plus. Donc on y va. Allez, Solinas à la manœuvre. Allez, mais les sont stables hein, maintenant. C'est propre. Solinas pour Kutaïar dans le dos rigué. Ils vont bien faire en avant. La passe, elle est mauvaise. Ça va aller voir le Charla. Allez, il faut l'axe. Mais ça passe on bien. On a pas avancé côté du stade niçois. C'est bien puissant du côté de Nice. On va pas partir petit côté, on va partir grand champ. Merdé mis au sol par Adendorf. Ah voilà, on se consomme pas côté Carcassonnais. La ligne de défense est bien en plaçant. De l'as, sur le pas pour Charla. Il a joué le deux contre. Charla qui passe en touche. Heureusement qu'il a mis le petit pied en touche le niçois. Ce qui fait que Carcassonne devrait récupérer le lancer sur la ligne de ses 22 mètres. Alors qu'on a le vent pour, mais qu'on en est privé complètement de ballon. Et en attendant, le chrono tourne. Alors, en mon chronomètre, il resterait une douzaine de minutes. David, c'est ça? Tu dirais Ils ont commencé à 33. Ouais. Donc, 27, ouais, une douzaine de minutes. C'est ça. Ici à Domecq, on rappelle le score 9 pour l'USC, 20 pour Nice, qui a marqué consécutivement une pénalité et un essai transformé. Allez, c'est parti. C'est pas propre, on sait pas quoi faire. Gaëtan Pichon, droit devant. Enfin, dans les 22 mètres, j'allais dire. Mais il ne fallait pas que le ballon soit trop haut. Ouais, c'est ça. Et on va pas avoir de chance. Il n'y a rien pour nous ce soir, monsieur. Il n'y a rien pour nous ce soir, messieurs, dames. Ça va être une mêlée à moins de 10 mètres de l'ambute pour Nice. Il n'y a rien pour nous. On veut jouer avec le vent intelligemment, on n'y arrive pas. On veut jouer vite, on n'y arrive pas. On tombe les ballons. Il n'y a pas grand-chose en réussite. Ouais, c'est symptomatique d'une équipe qui n'est pas en confiance, hein, malheureusement. Ouais. Donc, c'est ça. Tout le contraire de Nice. Exactement. Parce que le France-Irlande, là, mais de la nationale. Tu vois.
Ouais. Sauf que j'aurais préféré être un peu l'Irlande sur ce match. C'est ça. Allez, donc on revient dans les 22 mètres avec Solinas qui va faire cette introduction. Et surtout les Niçois qui récupèrent ce ballon dans les 22 mètres. Ils n'en demandaient pas tant. C'est fait. On a de la chance parce que même pour moi, je trouve que Pichon avait dégagé d'un peu plus près de notre en but. Mais ouais. Je pense pas qu'il était là. C'était la touche qui était là. Mais bon. Oui, la mêlée, elle est pas à cet endroit normalement. Elle devrait être où c'est qu'il y a. But, ouais. Elle devrait être située où c'est qu'il y a un art, toi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, sur la ligne des 10 mètres, quoi. C'est ça. Allez, l'introduction. Solina, c'est fait. Ça tient bien. Allez, ça tient bien. Ah, c'est propre. Ouh. Putain avant, putain. Ouais. Riquet, Kutaïar qui est bien pris. Solina se meurdé pour Sio, mais la passe est bien. Il est en avant, il s'est récupéré par Avillon. Il est en avant. On récupère le ballon du côté des jaunes et noirs. Gaëtan Pichon remet un coup de pied qui va trouver une touche à hauteur des 50 mètres, on va dire. Mais ballon rendu, on y soit sur le lancer en tout cas. Mais ouf, on s'est sorti de celle-là, on va voir un peu le reste. Oui, enfin un petit peu d'air côté jaunes et noirs. On va voir s'ils arrivent à contrer ce ballon. On n'y arrive pas, et depuis le début de la seconde période, David m'avait les changements, tu veux dire peut-être. Oui, non mais après on a quand même sorti des joueurs aériens, donc sur les touches ça va être un peu plus compliqué de les contrer, même s'il reste Romain Manquia principalement. Allez, c'est parti à se lancer. Ça aurait pu, David, mais presque. Allez, on y va, c'est toujours un lancement. À l'intérieur c'était vu pour Charla, elle a passé là d'abord. Elle a passé en avant. Allez, faut jouer messieurs. Non, monsieur va revenir en avant, monsieur l'arbitre. Il laisse pas un seul avantage quand même, monsieur. Écoute, là pour le coup, c'est pas mal. Il laisse pas trop l'avantage. C'est pas mal. Changement pour l'Esparcassonne avec la sortie d'entrée numéro 15, Maxime Gianet. Entrée du numéro 20, Damien Agnon. Damien donc qui fait sa rentrée à la place de Gianet. C'est Enarto qui va passer, je pense, à l'arrière peut-être. Hein. Et il prend la place. Il peut rester en 15. Ouais, ouais. C'est le couteau suisse, comme on l'appelle, Damien, non, dans cette équipe jaune et noire. Je crois que c'est son poste de formation, hein, numéro 15. Allez, Gaëtan Pichon pour cette mêlée. Il y a eu un faux rythme là, messieurs. Hein. Il y a un joli couteau ouvert à jouer. Hein. On est d'accord. Ils défendent à 4 contre 2. D'ailleurs, côté Stanislaw, on a fait rentrer Alban Conduché, l'ancien à Genet, numéro 22, qui défend avec Lucas Kutaïar, côté ouvert, à paire de centre. Oui. Alors qu'on est rentré dans notre chronomètre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours 9 pour l'USC, 20 pour Nice. Comment ce match pourrait basculer en si peu de temps en tout cas. Non, mais bien sûr, là, ce que j'ai à dire, l'espoir à la limite, c'est de marquer un essai pour amener le point du bonus. Mais ce soir c'est la très mauvaise opération, on ne le dit pas encore parce que le match n'est pas fini et ce n'est jamais terminé avant que l'arbitre ne le décide, mais quand même David, ça serait une très 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 mauvaise opération pour l'USC. Ah ben complètement, puisque aujourd'hui il fallait vraiment qu'il s'impose, donc je pense que malheureusement la messe est dite. Mais eux ils peuvent aller chercher la touche parce que comme je l'ai dit ils ont un essai du bonus. Ils vont prendre les points donc face au poteau. J'irai chercher la touche pour le bonus. Ils ont un bon buteur. Tu veux dire vous rassurer la victoire? Moi franchement je les sens pas en danger, hein. Je vous le dis franchement. Je pense que j'ai l'impression qu'ils vont chercher les points, effectivement. Mais ils vont chercher les points. Je trouve qu'on est déjà à plus de 2 essais du stade niçois. Ouais, c'est ça. Alors. Ouais, là, en passant la pénalité, serait vraiment à 2 essais de différence. Tranquille. Et oui. C'est pour ça que David allait chercher la touche a pu être une bonne idée. Hein. Tu t'investis le camp carcassonné, tu campes chez nous. T'as peut-être l'occasion de vraiment trouver le match et d'aller chercher un petit bonus. Ça pouvait se tenter aussi. Après, je suis pas persuadé qu'ils vont chercher. Le stade d'histoire. Après tout le monde ne va pas venir non plus gagner à Carcassonne, donc prendre 4 points à Carcassonne c'était peut-être déjà la mission principale de Nice qu'ils sont en train de réaliser. Ça repose un peu les organismes, on est à 9 minutes de la fin de la rencontre.
Tu vois, peut-être qu'on sécurise un peu le truc, mais sur, foncièrement, tu as raison, il y a le choix est discutable. Le choix est complètement discutable. Parce que devant, ils sont quand même plutôt pas mal au niveau des points. Hein, ils ont plus de 60. Ils ont, je crois, 3 points par rapport à Albi. 69, 70 points, ils ont. Comme ouais. Ça, ils ont... Donc bon, 74 points. Surtout si Albi venait à être ouais. Défait par Darkhawk demain. Allez, c'est parti avec Arthaud pour ce renvoi dans le camp niçois. C'est Beringel qui a pris le ballon. Pour l'instant, c'est propre. On est en dehors des 22 mètres, certes. Mais le ballon est totalement sécurisé par les Niçois. Et Solinas, une fois de plus. Ça sera sûrement dans les bras de Damien Anon, parce qu'il ne pourra pas trouver la touche directement. Il faut qu'il avance, Damien. Oudaré la touche. Ce sera pour Léo Daré la touche, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti pour Léo. Léo qui va s'engouffrer dans la défense niçoise. Le ballon bien récupéré. On n'est pas aidé par la ouais, mais là le problème, c'est qu'on n'est plus du tout dominateur en mêlée, qu'il va y avoir une mêlée. Donc, introduction pour Carcassonne. Ouais. On souffre, hein. On souffre avec les jaunes et noirs. On est un peu apathique comme eux, je trouve. Même l'intensité des supporters a totalement baissé. Domecq qui s'adore. Domecq est un, effectivement, dubitatif comme nous. Parce que pour les gens qui comprennent un peu le rugby, ben, on voit bien que ça se complexifie en tout cas. Il n'y a pas trop d'issue, comme disait Johan tout à l'heure. On ne voit pas comment Carcassonne pourrait réagir. 0 essai ce soir. Hein. On est à 3 pénalités de Gaëtan Puchon avec 2 ratés. Je pense que foncièrement, on a raté les points décisifs de ce match. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, le raté de Pichon, mine de rien, on pouvait repasser au score devant au score. Ben, ouais, je pense que le match est joué sur les 5 dernières minutes de la première et les 5 premières de la deuxième. C'est sur Carcassonne que Carcassonne aurait dû marquer beaucoup plus de points. Oui. Et je pense que c'est un peu. Je pense que Carcassonne a laissé passer le match sur ce moment-là. Je te laisse dire la sortie de Solinas. Remplacé par le numéro 21. Pechouat, exactement. Allez. Qui joue à Blagnac d'ailleurs, avant de venir à Nice. D'accord. Qui est originaire du sud-ouest. Gaëtan Pichon pour les commandements de monsieur l'arbitre avec le ballon en main. Avant l'introduction de cette mêlée. Ça y est, c'est fait. On a la poussée, on est plutôt pas mal. Sortez-le de suite. J'ai l'impression qu'on va jouer au pied. Il faut l'aider à Dundorf par contre. Il a perdu le ballon. Il y a rien qui va, monsieur. Regarde bien le troisième essai. Tailleur, Charla. Heureusement. Très très bien joué côté niçois. Ils vont chercher de suite les côtés. Ouais. On a raté les phases décisives, à mon avis, dans ce match. Et on ne les a pas ratées pour rien. Parce que Nice a fait tout ce soir, j'allais dire quasiment au millimètre. A joué très très juste. En tout cas, défensivement, à serrer les points quand il fallait, est allé marquer aussi les temps forts et tout ça. Après, quand même, des 4 plus grosses équipes de la poule, c'est ceux qui m'impressionnent malheureusement le moins. Hein. Albi avait fait une plus belle prestation, et Narbonne aussi quand même. Allez, c'est parti pour ce lancement là-bas avec Petrashvili. Se lancer en touche. On va chercher un fond de touche, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Hop, un petit par-dessus, mais c'est bien lu. C'est bien lu. C'est Conduché qui a récupéré le ballon. Voilà, dans nos 40 mètres. Et on rend le ballon au Niçois. Le talonneur Tongian. Ouais. On rend le ballon au Niçois. Attention de ne pas se mettre à la faute. Attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont consommés dans les règles. Ouais. On est dans les 30 mètres. Oui, Vincent qui a la percussion. Pechouat pour Vola en pivot sur Rigué, Kutayar, Odieté, le cadrage débordement, la passe pour Vignol. Bien plaqué, hein. Dans les 22 mètres, ouais. Pechouat qui va de suite, les ballons sortent vite, il va envoyer Louis Sio. Oh, le ballon était perdu. Ouais, ballon récupéré par Carcassonne, Guillaume est encore là. C'est pas possible, c'est faute, trop de fautes techniques, trop d'en avant. Dommage. Et en plus, il revient pas au premier en avant. Hein. Qui considère peut-être pas comme un en avant. D'ailleurs. Donc, c'est le ballon rendu au Niçois. Non, c'était un en arrière dessus. Sur le ruck, en sortie du ruck. Bien récupéré. Et c'est effectivement Arthaud dans la chute qui a voulu passer le ballon à Pierre Aguillon, mais il n'a pas été maîtrisé.
On n'y arrive pas du côté de Carcassonne. Il ne doit pas rester longtemps au chronomètre. Hein. Non, je pense que, regarde, il faut rajouter 2 minutes 50. On est à la 37e, là. 37, il doit rester 5 minutes, hein, à mon avis. En sachant que dans tout ce marasme, quand même, il faut savoir que si Carcassonne arrive à marquer un essai et le transforme, ils ont un point de bonus, quand même. On s'en contenterait. C'est quand même fou de dire ça aujourd'hui. Hein. Si tu regardes bien, quand même, David, sur les 3 dernières rencontres, on fait match nul à Chambéry et on se met à mal tout seul. On peut avoir la victoire en fin de match, mais on ramène que le match nul, j'allais dire. Face à Massy, 80e, on gagne le match. À la 88e, on repart avec seulement un point. Et ce soir, zéro pointé. Comment prétendre à la remontée en Pro D2, comment prétendre arriver à ses objectifs, en tout cas de saison? Ça se complexifie, j'allais dire, pour les jeunes et noirs. Non mais là il faut pas parler de Pro D2, parce que sur 3 déplacements tu ramènes pas une seule victoire et que à domicile t'es pas capable d'assurer ton plus gros match. T'as peut-être avec Narbonne et Albi, on va dire, les plus grosses réceptions de la saison. Bah, ouais, ça matche pas comme on dit. Ça matche pas pour le moment. On est en la défense pour les Carcassonnais. Même si la défense là l'emporte un petit peu, on est sur le recouloir du côté de Nice. Mais Nice conserve ce ballon. Hop là, par contre. Ah oui, il a fait la passe, pardon. Il a fait la passe au joueur, le ballon disponible. Il est pour les Carcassonnes, non? Non, toujours disponible. Charles qui se met en position de 9. C'est le numéro 4, ouais, c'est Charles, oui, effectivement. Le banc de Nice aura fait le mono entrée. Ah oui, oui. Et comme tu disais tout à l'heure, Johan, c'est peut-être aussi là l'équipe type qu'ils ont fait rentrer, non? Ouais, c'est les piliers, ouais, très bien. C'est les piliers, oui, titulaires. Oui, avec les titulaires du côté du stade niçois, donc forcément ça fait du bien quand ça rentre pour le match. Ah, ça joue bien, ça envoie du lourd pour le moment. Allez, peut-être un arrêt de voler plus tranquille pour Damien. Allez, faut jouer. Allez, faut jouer Damien. Ils sont pas à 10 mètres, monsieur l'arbitre. Hein. Ouais, mais il ne dit rien. Le ballon pour les Carcassonnais. Allez, sur le fermé, il y a du nombre. Allez, petit côté, il y a quelque chose à faire. Ouais, mais oh là là. Ça récupère par Chiot. Heureusement. Tu l'as pas ça. Là, il y a une autre chose. Allez, vous voyez avec les cadres. On prend les ballons. Ouais, mais ce dégagement me plaît plus que l'autre, que les autres, parce que moi il ne sort pas des limites, même si c'est Riguet qui peut récupérer. Allez, Par contre, il y a du hors-jeu, ouais. Ça serait bien que le numéro 19 quand même. Ça, il y a un avantage, il n'était pas dans la zone des 10 mètres. Voilà. Mais c'était dans la zone des 10 mètres. Ouais. Allez, c'est parti pour le Carcassonnais, il faut y croire un petit peu dans ces dernières minutes. Et d'aller chercher quelque chose, peut-être comme disait David, ce point de bonus. Allez, un peu montrer un peu d'orgueil quand même, parce qu'on le subit là quand même. Allez, Gaëtan Pichon, la touche, elle est trouvée, oui. Il n'a pas marqué un seul point depuis la 42e minute. Écoute, aujourd'hui, maintenant, hein, à la presque 40e minute au chronomètre, je prendrai cette option. Allez, les garçons, il va falloir y mettre la tête. Il va falloir faire un bon lancer, une bonne reprise, une bonne cocotte, David, et être dans l'avancée pour pouvoir aller chercher cet essai. Synonyme peut-être. Là, de nouveau, il lancerait, le casque noir est en train de parler, ils auraient le ballon de suite. Là, c'est plus la peine. Voilà, même. Sautez devant. Voilà. C'est fait. Mankia. Belle récupération. Ballon derrière. Je crois que c'est. Ah, par contre. Ouais, allez, c'est parti. Adendorf. Boum. Adendorf. 3, 2, 4. 4 joueurs pour plaquer le Sud-Africain. Allez. Allez, c'est parti, on va rentrer dans les 22 mètres de Nice. Ça y est, on est rentré dans les 22 mètres de Nice. Nice, c'est. Le ballon n'est pas bien, mais c'est Bourreille là-bas qui repart, passe par le sol. Allez, il y a du monde là-bas. Un de plus, non, on fait pas la passe, on reste là-bas. Ça y est, cette fois-ci. Mais... Oh, pourquoi avec Bourreille? Quel dommage de ne pas jouer ces ballons. Ça se tient encore. C'est Banca qui a pris de un plaquage appuyé d'Alban Conduché. Ça sert à rien, messieurs, ça sert à rien. Je suis pas persuadé que ce jeu au pied soit nécessaire. Là, on est presque en fin de match. Il faut garder le ballon, il faut le préserver. Mais je pense que c'est quasiment la dernière action du match. Hein. Quand tu sais pas jouer à la main, regarde, t'as vu, c'était pas organisé sur l'extérieur. Ouais, on envoie des ballons, mais on sait pas qui, on sait pas où, on sait pas quoi faire. Une sur le couloir, on envoie du pied, mais il y a personne. L'action, elle est à l'image du match. Hein. Ah, David, je te disais, oui, c'est ça. Je te disais tout à l'heure en avant-match un petit peu les enjeux. C'est Carcassonne faire peur à ses équipes de haut de tableau. J'ai l'impression que
On est un petit peu, on est assez loin du compte. On est loin. Voilà, ils vont sauter au milieu. Ouais. Voilà, ils vont réceptionner tranquille et. Oui, ils vont sauter au milieu. Ouais. C'est Merci. Le 19 qui va prendre le ballon. Merci, au revoir mesdames et messieurs. Et Nice aura réussi son coup, mais franchement, ne l'a absolument pas volé. Hein. Absolument pas volé. Allez, c'est parti. Pour ce lancer en touche, on va essayer. Oh, on peut le récupérer. Non, il y a on peut le récupérer. Non, c'est récupéré. On va pas. Et là, il faut le récupérer. Oh là, oh là, oh là, Carcassonne dans le ballon. Ils sont. Essayez, non. Qu'est-ce que non. ça raconte non, je pense qu'on est à 1 mètre de la ligne. Non, il a pas pu aplatir. Ah. Allez, patience, messieurs, patience. Alors là, si on marque. Allez, le ballon. Il y a un avantage en cours, peut-être l'écarter. Il y a du monde sur l'extérieur. Au centre du terrain, il y a du monde. Oh là 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 là. Il faut le jouer sur le ballon. J'ai l'impression qu'ils ont perdu le ballon. Allez, jouez vite. Allez, allez, allez. On voit que les joueurs de Nice remettent le fond. Oh, quelle purge! C'est long. On va le jouer à la main, messieurs dames. On va le jouer à la main du côté de Carcassonnet. Non, mais là, il est seul quand même. Ouais, mais là, il est parti tout seul. Il est parti tout seul, le Carcassonnet. Le ballon, est-ce qu'on l'a récupéré? Oui, le ballon. Encore un avantage, non? Ah, contre-rack, très bon contre-rack. Non, mais on a toujours le ballon, non, il me semble. Ouais, j'ai l'impression que Carcassonne a encore le ballon. Faire jouer les gros. Allez, c'est Ferdinand Dreno. Ouais, ouais, Dreno cette fois-ci, on se rapproche des poteaux, c'est plutôt pas mal. Avec Arthaud, le fait de passe. On a perdu 5 mètres. Et là, on est en sous-ombre sur l'extérieur. On va trop vite là. On va trop vite là. Faut faire marcher les gros, faut faire marcher les gros, tranquillement. Allez, patience, patience. Moi, je vois pas comment on peut passer cette ligne de niçoise, tellement elle est compacte, elle est drue. Allez, avec Petrajvili cette fois-ci, non, on est sur le retour. On va mettre il y a aucune consommation de joueurs, ils se consomment pas. Allez, surtout qu'ils avaient joué un peu plus sur les extérieurs quand même. Ça y est, on est de nouveau sur les avancées. On est devant. Allez, il faut faire jouer les gros, messieurs. Encore une fois, on est sur la ligne des 5 mètres, me semble-t-il. Allez, chercher peut-être une faute, comme ça, on peut se permettre. Allez, d'envoyer un petit peu du jeu, c'est Clément Fontaine. Il y a le déblayage de Clément Fontaine, très très limite. Oui, oui, on est d'accord. Allez, ça passe encore une fois par le sol, mais on n'avance pas. On est même carrément sur le reculoir. Allez, on va chercher par là-bas. Oh là là. Quelle défense niçoise, ouais. Quelle défense niçoise. Magnifique défense de Nice. J'ai l'impression qu'on a perdu le ballon. Et c'est la fin du match. Allez, c'est terminé, messieurs, dames. On n'y arrive pas, on n'y est pas arrivé. Carcassonne est fructueux ce soir. Et ben voilà. Et Nice qui s'éloigne encore plus. C'est ça, Nice qui prend. Les autres équipes potentiellement qualifiées. Les 4 points de la victoire. Félicitations à eux, en tout cas. Bravo Nice. Allez, on se retrouve vendredi prochain. À domicile de la saison. Vendredi prochain pour la réception de Bourgoin-Jallieu. Je rappelle que le week-end d'après, ce sera en terre albigeoise que Carcassonne défendra les couleurs. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs dames.